Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue. Excellent timing, vous ne savez pas, mais je n'étais pas devant mon ordi. 10 secondes avant le, le, la fin du... Euh, du, euh, Vous-même, vous savez ce que je veux dire. Bonsoir, excusez-moi, je supprime des mails, pas le bon... Euh, ouais, ce soir je suis un peu dispersé, on va se recentrer très très vite. Comment ça va Vous, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans mon... Euh, on va enlever l'alcool. Le... Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans euh, ma vie. Salut Léonidade, bienvenue sur le chat. C'est ta première fois sur le chat, bienvenue à toi. Euh, salut Crochuki euh, qui est avec nous ce soir. Salut Crochuki, salut. Euh, euh, salut tout le monde, quoi. Salut euh, tout le monde, Léonidade qui dit excellent timing. En effet, je regardais un de tes commentaires, mais nous avons un homme de goût avec nous. Et nous n'avons que des hommes de goût avec nous puisque vous êtes là. Je dirais que c'est une. Euh, preuve suffisante de votre euh, qualité en tant que spectateur. Donc, désolé, on commence un petit peu euh, tard. Je vais arrêter de regarder euh, Discord. Je vais juste mettre sur les messages privés des fois que Bob m'envoie quelque chose. Parce que euh, c'est arrivé plusieurs fois qu'il euh, qu n'est pas qu'il nous sauve le, le live. Donc, j'ai un peu couru là. Je vais reprendre mon souffle lentement. Constater que je suis un petit peu trop à droite. Ce qui n'est pas un truc qu'on me reproche souvent. Voilà, nickel, euh, je vais enregistrer ces paramètres-là, pouf, actualiser, nickel, formidable, ah, c'est grandiose, ah, c'est grandiose, Néopatsky qui dit, enfin, je suis là en live, et pas juste pour la rediff, je suis joie, mais ça, c'est formidable, c'est formidable, on est là tous ensemble, vous êtes 62, c'est mon chiffre préféré, absolument pas, c'est le chiffre préféré de personne, est-ce que c'est le chiffre préféré de quelqu'un, 62, ce serait surprenant, c'est tout de même un chiffre très précis, Peut-être quelqu'un qui est né en 62 ou dont l'un des parents est né en 62, peut-être. Donc, ouais, euh, on est là pour. pour alors, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Je vais, je vais mettre. Rassurez-vous, là, c'est le, le temps de trouver le rythme. Je me laisse l'opportunité d'être un peu porté par le texte aussi. Euh, hier, on avait un déménagement. <laughs> Hier on avait un déménagement et ce matin on avait un, 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 un désinsectiseur qui passait parce qu'on a un nid de frelon dans le jardin. Comment On avait un nid de frelon dans le jardin. A priori on n'en a plus euh, vu qu'il n'est pas visible. Euh, on vous oh, passe les détails. Bref. Euh, grosse journée et en plus la fin des euh, la fin je vous, donne, je vous donne toutes les histoires et en plus euh, la fin des, des, des la, la date butoir pour euh, l'écriture euh, des capsules 4.5 qui auront lieu en octobre marqué, marqué la date c'est il y a quatre représentations pour les capsules 4.5 ce sont les euh, j'ai peur de dire une bêtise c'est soit 10 11 12 13 soit 11 12 13 14 octobre ça va jusqu'au lundi, donc dans ce cas, c'est 11, 12, 13, 14 octobre. Euh, voilà, et j'ai écrit une fiction euh, dont je commence à être assez fier. Hein, une, ça va être une fiction à arborescence. C'est-à-dire que c'est basé sur le loup-garou de tiers lieu parce que Jérémy voulait une, une, une fiction sur le loup-garou de tiers lieu euh, Donc je, je me suis proposé pour l'écrire, je l'ai écrite. Alors que je ne suis pas fan du, du jeu, mais je trouvais l'idée euh, drôle. Je trouvais l'idée de faire un c'est de développer l'histoire du Loup-Garou de Tiers lieu, mais dans une fiction, avec vraiment des personnages qui incarnent les, euh, les rôles, les rôles qu'ils sont censés avoir. Bref, je trouvais ça intéressant. Et euh, le principe de cette capsule, est-ce que vous connaissez les capsules Est-ce que je, peux, je parle à des gens qui savent ce que c'est les capsules Je vais faire un sondage très rapidement. Rassurez-vous, hein, là c'est juste l'intro du live, hein, après on plonge dans le, dans le livre. Paul, est-ce que vous connaissez les capsules est-ce que je vous présente le concept ou est-ce que c'est pas la peine S'il y, euh, y a une grosse majorité de oui, je ne vous présente pas, mais s'il y a une ambiguïté, je vous touche un tout petit mot à ce sujet. El me dit, j'ai pas tout vu avant, euh, c'est vraiment important. Non, 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 je ne pense pas que ça soit euh, important, important. Euh, si tu t'as pas tout vu, euh, tu, euh, globalement... Euh, euh, billy et le pyro-barbare euh, ont quitté erener euh, parce qu'ils étaient poursuivis par la, par, par la police, par les forces de l'ordre. Euh, ils sont partis vers le sud et on est arrivé au sultanat de stia. et euh, on a été, été guidé par un, par un charmant euh, nain euh, dont on a trouvé euh, le, le corps euh, sans vie euh, euh, alors que billy voulait aller aux toilettes. Et on a été jeté en prison pour, pour ça. On a été libéré par un nain qu'on avait croisé euh, au hasard euh, en arrivant. Euh, et ce nain euh, est déturbané. Ce nain a perdu son honneur euh, avec son turban. Euh, il n'a plus de turban parce que tous les nains là-bas ont des turbans. Et, euh, et donc nous, nous allons euh, plaider notre cause au euh, Scorpiodrome. Nous allons faire un, 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 un ben plus ou moins un, une course de char euh, violente. Euh, <laughs> Et, euh, et voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Ça le fera pour les accents des nains ce soir, je vais peut-être y aller mollo sur les accents, on va voir. On va voir, on va voir. Euh, donc vous êtes euh, un tiers à ne pas savoir ce que c'est les capsules si je me fie au euh, sondage, donc euh, petite présentation rapide. Ce sont des fictions sonores, euh, c'est le projet de cœur de Jérémy qu'il fait depuis 4 ans maintenant. et Je suis, euh, je suis dans l'aventure depuis le début mais je suis plus euh, directement impliqué dans l'aventure depuis cette année. J'ai été présent euh, physiquement euh, au Capsule 4.0, c'était un vrai plaisir et je serai encore plus présent pour les 4.5 qui auront donc lieu en octobre et euh, ce que c'est, ce sont des fictions sonores en live sur Twitch et l'originalité de ces fictions sonores, c'est que vous pouvez avoir un impact direct sur les histoires parce que vous savez quand vous faites euh, des dons, ça, il, il peut y avoir une alerte euh, sur Twitch via le système d'alerte. Euh, L'originalité des capsules, c'est que euh, j'ai oublié de mettre mon peignoir, mon peignoir, mon super peignoir, euh, la corne des sables d'ivoire, quelle tristesse! Euh, et donc, la particularité des capsules, c'est que euh, en fonction du don que vous faites, euh, plus le don est élevé, plus il va y avoir un impact important avec l'alerte sur la fiction sonore. Mettons l'exemple, j'ai envie de changer d'exemple, mettons euh, une, une, une fiction qui se passe sur une planète inconnue, vous êtes, euh, voilà, ça, ça parle d'astronautes qui sont sur une planète inconnue si vous faites un don à 5 euros il va y avoir euh, une météorite qui va tomber euh, loin c'est tu sais, genre une petite météorite, genre ça va faire un poc quelque part, ou alors ça va faire un bip bip c'est tu sais, dans le système de communication des, 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 euh, des, des tenues euh, par contre si vous faites un don de 100 euros euh, là il y a peut-être un, un monstre extraterrestre de 7 mètres de haut qui va sortir d'une grotte et souvent, fait remarquer Camille, c'est le spammage des, euh, des petits dons qui est rigolo. Effectivement, les effectivement, quand vous spammez les dons à, à, à 5-10 euros, ça crée des situations euh, du coup euh, cocasses. Et, ça, et du coup, les comédiens et les comédiennes doivent euh, interagir avec. Bref, c'est très sympa. Et euh, j'ai euh, jusqu'à demain pour finir d'écrire euh, ma euh, fiction sur euh, donc, le Loup-garou de Tierselieu qui est bien avancé. Euh, je ne l'aurai pas fini demain, il va falloir que Jérémy m'accorde un petit euh, délai. Euh, mais euh, voilà. Bon, on se parle, on se parle, là, mais euh, peut-être qu'il serait temps de commencer à lire. Alors, d'habitude, on va jusqu'à 23h, mais là, vue qu'on a commencé vraiment tard, je vous propose qu'on pousse, 23h, euh, qu pousse jusqu'à 23h30. C'est pas, pas déconnant, euh, ça devrait aller. Euh, voilà. On, va, on voit, on voit. Euh... Salut la petite vachette, euh, merci de passer faire euh, coucou, euh, c'est très euh, gentil. Euh, nice grave qui dit Twitch sur smartphone c'est toujours un plaisir ouais 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 sur smartphone Twitch c'est pas c'est pas optimal euh, très bien bon bah euh, cela étant dit euh, place à euh, place à la lénonnerie et place à la -bar je, je salut euh, Oli euh, fripouille bienvenue sur le chat est-ce que je mets mon peignoir je fais un pôle non mais je vais alors attends Lignyrieve dit ça dépend est-ce que tu veux commencer l'acte 3 ce soir parce qu'il arrive rapidement. Alors j'ai pris une décision. Comme vous le savez, euh, comme vous le savez, euh, j'ai euh, j'ai euh, dit que je continuerai la lecture du livre jusqu'à la fin mais que les replays ne seraient plus disponibles. À la base, enfin bref, à la base, je lis ce livre parce que c'était un défi pour euh, au niveau des coins lectures. Mais j'ai décidé. Merci Madou s'étendre. Tu es la meilleure d'entre nous. Ben voilà, là c'est un live, la corne des sables d'ivoire. Voilà, là on est là, on est dedans. Là, voilà. Il fallait ça, merci beaucoup, Jérémy. Où est ma petite ceinture? Salut, Pyron. Voilà, mon peignoir. Euh, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. J'attends que vous me rappeliez ce que je disais, mais peut-être que vous m'écoutez pas. Hein. <laughs> peut-être que vous m'écoutez parler autant que je m'écoute parler. Tu parlais des replays. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, on va tout faire et tous les replays seront disponibles sur YouTube. Parce que j'ai arrêté de faire les défis sur les, sur les coins lectures. Et euh, l'argument pour ne pas tout mettre sur... sur sur YouTube, c'était, euh, ouais, mais si je commence déjà à ne pas respecter mes paliers, euh, bah, les défis n'ont plus aucune valeur. Mais comme les défis n'existent plus, on n'en a, a rien à foutre. Voilà, donc tous les replays seront disponibles sur YouTube. Et allons-y. Nous sommes au 223. Hop, et nous allons pouvoir reprendre notre aventure jusqu'à 23h30. Allons-y. Votre précédente vie à la ferme ne vous a jamais donné l'occasion de fréquenter des bains publics. Au mieux, une belle rivière d'été et au pire, un saut. Nous sommes dans des bains publics, apparemment. Terrible. Euh, un seau d'envisage dans le visage de la part de votre pépé citrouille. Alors, oui, du coup, ceux qui n'ont aucun contexte, euh, je ne vais pas vous donner tout le contexte. Des fois, quand je sens que ça peut être résumé facilement, euh, je le ferai. Mais sinon, euh, il sinon, y a Lignérif qui a participé à l'élaboration du livre qui pourra vous donner des, euh, des renseignements. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Rien à voir avec le légume, du coup. « Vous sortez des vestiaires avec votre serviette, bien décidé à obtenir ce que vous cherchez, mais aucun luxe n'aurait pu vous préparer à la vision grandiose qui s'étale sous vos yeux. »« Un immense bassin circulaire duquel jaillit un arbre taillé dans la pierre, couvert de cristaux et d'or. Oh »« A ses branches sont suspendus plusieurs bassins de différentes tailles où barbotent les clients, donnant l'illusion d'une grande balance à plusieurs bras. » L'eau chaude, à en juger par la vapeur qui touffe l'endroit, ruisselle du sommet de l'arbre et cascade directement dans les bassins situés en dessous. Une merveille de beauté et d'ingénierie. Comme on vous l'avait dit, la plupart des occupants sont des soldats en permission. Leurs gesticulations et leurs paroles résonnent dans toute la pièce et rebondissent d'un bassin à l'autre. Cancan, ragots et autres blagues paillardes paillard, foisonnent ici. Mais un silence d'église accompagne votre entrée. Oh! <laughs> tu rentres dans un terme et tout le monde ferme sa gueule, c'est un, un peu gênant. Euh, les soldats vous fusillent du regard. Ah oui, parce que tout le monde pense que vous avez tué, du coup, le nain, évidemment. Mais l'apparition de votre puissant zar, ça c'est le pire barbare, calme toute velléité de vous prendre à partie. Si vous avez la carte Gold, présentez-la à l'ouvreuse pour vous faire conduire dans un bassin privatif en 227. Mais il me semble, mais il me semble, mais il, mais, il, mais il me semble, il me semble bien, il me semble bien que. Alors vous n'allez jamais réussir à me relire, donc euh, voilà, mais c'est écrit ici. Une carte Gold, où c'est écrit. Mais ça veut dire carte Gold dans les hiéroglyphes qui me servent d'écriture. Donc nous allons pouvoir passer directement en 227. <laughs> les vieux sangs Alors. 227, c'est parti. Vous grimpez jusqu'au bassin privatif que vous a donné l'ouvreuse sur présentation de votre carte gold. Erkan dit tu l'avais pas perdu. mais non. <laughs> c'est dans, dans, dans ta gueule. perché tout en haut de l'arbre fontaine, vous plongez dans ce bain délicieux en humant à plein nez l'odeur de privilèges qui s'en dégage. Mmh, les doux privilèges. Votre nid aquatique surplombe les autres et son eau ruisselle lassivement en contrebas. Le pb... Pierre Barbare, vous imite timidement et s'y glisse à contrecoeur, faisant d'abord déborder le niveau de l'eau avant de réaliser qu'à part le faire passer pour un anti, ce bain s'avère totalement inoffensif. Après quelques instants de panique lorsqu'une grosse bulle vient l'agresser, il se met à battre joyeusement la surface de ses grosses mains. <laughs> Avoir disparu du champ de vision des nains vous octroie un bel avantage puisque ceux-ci semblent reprendre discrètement leur conversation. L'acoustique du lieu est excellente et vous permet de déchiffrer plusieurs chuchotements. Les étrangers au-dessus, ils finiront au Scorpiodrome, je proacte. Dix pièces que la torche d'Ardente va les incinérer et les offrir à Fumta. Clame l'un d'eux. Fumta est le dieu. Euh, le dieu de là-bas. Euh, C'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez des détails, n'hésitez pas à demander à l'Enriffe. Euh... Ce n'est pas du jeu, tu sais... Ah, ce n'est pas du jeu, tu sais bien qu'il est invincible dans les virages. Quand il entend ses trois coups de fouet claquer dans une direction, son scorpide reprend toujours le virage à la perfection. Trois coups est en majuscule et en gras, ça veut dire que c'est une indication pour moi pour gagner au Scorpiodrome. Donc je vais noter... C'est le deuxième conseil qu'on qu a. Le premier, c'était « Il faut maintenir le regard avec une créa quand on croise une créature en colère. » Ce qui n'est pas un, un conseil euh, qui va être facile à suivre. « Quoi Trois coups de fouet dans les fesses. »« Certes, mais il est en fin de carrière. »« euh, Certes, mais il est en fin de carrière. »« Et ses récents déboires conjugaux l'ont beaucoup affecté. » Ajoute un second. « Ah ça, pour filer de roi, il n'est pas doué. »« Il aurait dû marier son scorpion. Dérir Gutturo accueille ce, dernier, ce <laughs> dernier commentaire et vous vous concentrez sur une autre conversation. qui est absent aujourd'hui, questionne un vieux soldat. C'est un vieux soldat, bon. Non, oh, lui répond un autre baigneur. Il a rejoint les sables. Trépassé. Très Trépassé Très De fait, il a oublié de se présenter à un ami. On est obligé de se présenter à, à, à quelqu'un à chaque fois que tu le croises. Mais qui oublie de se présenter à son ami C'est la loi. Il pensait l'avoir fait plus tôt dans la journée, mais c'était en réalité aux jumeaux de son ami. Il s'est adressé à lui par mégarde. Aïe, ah, j'en ajourne qu'il a perdu le duel. De fait, tu connais la loi 234 Par le sang de ceux refusant de se présenter, les affronts seront lavés, termine le nain par la force de l'habitude. Si vous connaissiez déjà cette technique, cette conversation ne vous aura été, été d'aucune utilité. Si vous les apprenez, pensez à noter la technique et la loi de 134 quelque part. Dans tous les cas, vous êtes propre comme un sous-neuf. Ah, ça c'est tout de même agréable. Elios 16 dit salut, est-ce que la rediffusion de cet épisode sera disponible sur Linksoft ?» La réponse est oui. Euh, vous êtes propre comme un sous-neuf. Gagnez un point d'habileté supplémentaire Je suis à 13 d'habileté. <laughs> J'étais déjà Spider-Man, je deviens... Euh... Qu'est-ce qu'il y a qui est plus, qui est plus habile que Spider-Man Spider-Man avec le symbiote je, je deviens... Je deviens, je, je deviens Superman. <laughs> je, 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 je ne crains plus rien. C'est-à-dire qu'un combat, euh, un combat, un combat commence. Bravo, vous l'avez gagné. Euh, et allez-vous sécher au vestiaire en 63. 63... 63. 63... Chérie, est-ce que tu penses que je vais mourir ce soir D'accord. Euh... Euh... Greg suggère Scarlet Spider. Le... Est-ce que Scarlet Spider est plus, euh, est plus... Non, non, non. Dans les vestiaires, il n'y a personne. Ça, c'est tout de même agréable. À part un seul nain. Ça, c'est un coup en traître. À part un seul nain d'apparence étrange qui vous tourne le dos. Sa peau miroitante, obscure, entourée d'une simple serviette et surplombée par une capuche, lui couvrant le visage, point. Vous faites de votre mieux pour l'ignorer en remettant vos affaires, mais lorsque vous prenez votre sac, il vous saisit par l'épaule. Malgré votre sang de guerrier, votre estomac se creuse de terreur quand vous réalisez que l'être, la créature, qui vous empoigne, n'a qu'un trou géant à la place du visage, donnant sur une noirceur impénétrable. Une sorte de cyclope sans face, portant l'abysse terrifiant de votre mort pour seul œil. Vous repoussez votre assaillant et ravalez votre envie de vomir. D'autres comme lui apparaissent, aux quatre coins du vestiaire, ignorant le pyrobarbare qui sort d'une cabine. Il ne se préoccupe que de vous. Leur attitude est profondément suspecte, mais vous hésitez à tirer votre arme. Rien ne vous dit qu'il ne s'agit pas d'une quelconque bêtise de ce pays absurde de la part d'un type de nain que vous n'auriez jamais rencontré si vous souhaitez les attaquer, portez-leur le premier coup en 180. Si vous préférez attendre encore quelques instants pour observer 180. 180. Je ne regarde même pas l'autre, je m'en fous. Je réflexe défensif. Je suis un billy guerrier. Je guerroie. 180. Vous êtes prêt à agir lorsque la petite troupe d'individus écœurants s'approche d'un peu trop près. Vous portez la première attaque, mais réalisez avec une horreur grandissante que leur lenteur initiale trahit une grande agilité. Pas de quartier Règle spéciale. Après avoir pris l'initiative vous permet de porter votre première attaque sans subir de dommages. Leurs mouvements aberrants et l'horreur de leur visage vous perturbent mais vos dégâts supplémentaires se transforment en malus qui réduisent vos dommages. Oh, c'est pénible ça Oh C'est pénible, mon plus 2 devient euh... enfin. Est-ce que c'est plus 2 plus 3 Ouais, mon plus 3 du coup. Mon plus 3 devient moins 3. Alors, ok, euh... habileté, ils sont à 9 euh, les guéri. Rappelle-moi, euh... les points de... du pyro barbare s'ajoutent à mon score d'habileté Je suis pas à 13, je suis à 16. Oui, c'est bien ça. Bon, bah, dans ce cas, euh, j'ai vérifié sur ma. Attendez, parce que les situations sont. Alors, pour ceux qui connaissent pas le livre, il y a ce qu'on appelle les situations. C'est-à-dire que on voit la différence de points d'habileté entre moi et mon adversaire. Et en l'occurrence, eux, ils sont à 9 et je suis à 16. Euh, faites le calcul avec moi, ça veut dire plus 5. Plus 5, ça veut dire que je suis en situation davantage lourd. c'est écrit ici. J'ai raté, 9... 9, 16, ça veut dire plus 7. Effectivement, je suis fatigué. Donc on est à plus 7. On est à la limite du, 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 de la victoire par KO sans avoir à combattre. Mais c'est limite seulement. Oh, excusez-moi, ça fait pas le point. Bon, croyez-moi. Du coup, euh, je vais lancer un dé et il faudra appliquer la euh, table de dégâts qui se trouve en dessous de la colonne 7. Euh, le chat aurait été là sinon, mais merci, merci cher. Et en l'occurrence, j'aurais triché euh, contre mon camp. Euh, ok, donc par contre mes, malus, euh, mes bonus deviennent des malus, ça il n'y a pas de souci. Au lieu d'avoir plus 3, j'ai moins 3. Ils ont un point d'armure, faudra pas oublier. Il y a beaucoup de règles à retenir pour les combats. Euh... Allons-y. Donc là nous allons faire un nouveau combat contre, j'ai envie de les appeler les puants au trou. Euh... Ah oui, mais je pas besoin de les nommer. Euh, situation donc plus euh, 7, on est d'accord. Hop. Et premier tour, ils ne me mettent pas de dégâts. Donc premier tour, on va se contenter de lancer un petit dé du bonheur. Où sont mes petits dés Ils sont là, ils sont merveilleux. Le bébé donne pas plus 4, non, le bébé donne plus 3 en l'occurrence. Ça change en fonction des, des combats. Donc nous avons un dé, ce sont des dés officiels de euh, euh, la carte des Sables d'Ivoire. Alors... 2, c'est pas terrible. C'est pas terrible. 2, je... Parcours le euh, truc. 2, ça veut dire je leur inflige 5, ils infligent 2. Mais euh, mon plus 3 devient moins 3, donc je leur inflige 2, et je prends 2. Sauf que je ne prends pas 2, je prends 0 de toute façon. Et en plus, ils ont 1 point d'armure. De, de, donc euh, je, ils, ils prennent 1, je prends 0. Mais je peux esquiver, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne me font pas de dégâts que je ne peux pas esquiver. Hein. Lignerive, tu me, tu, me, tu, me, tu me corriges si j'ai tort j'ai le droit d'esquiver même s'ils me font pas de dégâts. C'est bien ça. Alors, allons-y, si je fais 1, j'esquive et je contre-attaque. 6, c'est ce qu'on appelle ne pas esquiver du tout. Donc j'esquive pas et ils prennent 1 point de dégâts, je prends 0. Ils partent avec combien de dégâts déjà Hop là, ils partent avec 9 PV. Donc ils sont à 8 et je reste à 12, 12, 12, 8. Deuxième tour. Deuxième tour. 1. Ah euh, C'est un combat qui ne se passe pas bien. Euh, alors, euh, 4, 3. Donc je leur inflige moins euh, 3, moins 1, 0. Ils m'infligent 3, sauf si j'arrive à euh, esquiver. Non. Aïe elle Donc, je prends euh, 3 points de dégâts. Je suis à 9. Et ils sont toujours à 8. Ouais, peut-être que je vais mourir. Mais peut-être que je ne vais pas mourir. Attention Attention. Attendez, je vais prendre mon. Voilà, là, on sera beaucoup mieux. 3. C'est pas. Euh, ça se passe pas bien. Hein ça se passe pas bien. Euh, 6-2. 6-2. Donc, je leur inflige. Moins, moins, moins 4, donc je leur affiche 2. Il tombe. Euh, je leur affiche 2 et je prends 2. Mais je peux esquiver. Non 7, 6. Tour suivant. Je je je. Pour quelqu'un qui. Je, je devrais être en situation de presque domination. C'est-à-dire que là, j'en prends vraiment... Euh, Lingarif dit Attends une seconde, tu as plus 3 en dégâts Il y a le passif du guerrier, la plioche, d'où vient le troisième En fait, j'ai écrit plus 2, plus 1, et je ne sais pas si le plus 1 est compté dans le plus 2 ou pas. Je ne sais plus. Yirkan dit de, de l'aventure. Si quelqu'un se rappelle pourquoi j'ai gagné un plus 1. Est-ce que c'est vraiment un plus 1 qui est devenu un plus 2 voilà. Donc euh, si quelqu'un se rappelle pourquoi. Sinon je refais tout le combat hein, parce que ça fout en l'air l'équilibre du, du, du truc. Est-ce que quelqu'un se rappelle tu as donc infligé 3 dégâts de plus depuis le début de ce combat. Oui, ou alors on peut recommencer le combat parce que j'ai fait que des tirs catastrophiques, on peut aussi hein, penser comme ça. Non, personne ne se rappelle pourquoi j'aurais plus 3 on va, dire que, on va dire que ça, c'est le total. On va dire que ça, c'est le total. Allez, on reset le combat. On reset le combat et cette fois-ci on fait ça bien. Donc j'ai pas mon... C'est pas la triche, c'est euh... C'est déjà pas facile. Note-le sinon tu vas oublier. Non, 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 en fait il suffit que je me dise c'est le total, à chaque fois c'est le total. Ça c'est le total, ça c'est le total, ça c'est le total. Donc ça c'est le total, ça c'est le total que j'ai divisé en deux, et ça c'est le total aussi. Sauf que sauf que non, tu vois, là il y a écrit 5, et à chaque fois il y a 3. Là c'est pas le c'est... Du coup, est-ce que j'écrirais pas le total ici aussi Plutôt que d'écrire 9 plus 3... Hmm. Hum. Non, parce qu'il n'y a pas un petit, un petit total marqué. Non, mais bon, ça c'est le total. Ça c'est le total. Et si jamais je l'oublie, je compte sur vous pour me le rappeler. Voilà, hop, vous serez ma mémoire. Donc c'est le début du combat. Ding, ding, ding. 6, boum. Bah bon, écoute, c'est un jeu. L'important c'est qu'on s'amuse. Alors 12, pas moins 3, mais moins 2, 10. Euh, moins 1 tout de même parce qu'ils ont une armure, donc 9. Euh, je peux esquiver ça sert à rien Ça sert à rien d'esquiver J'esquive pas euh, 9 boum, Pv0 je gagne Est-ce que je suis fier de moi? Pas vraiment. Salut à 1492 euh, qui dit bonsoir, qui utilise le pour la première fois pour dire bonsoir, je viens d'arriver, pourquoi il y a un combat Parce qu'il euh, y a des gens sans visage qui m'ont regardé de travers, et c'est pas évident Ouais, ils ont un visage et un trou au milieu, et le trou m'a regardé de travers, j'aime pas me faire regarder de travers par un trou, je sais pas vous. Donc voilà, j'ai gagné, et euh, c'est une victoire euh, sans aucune, euh, comment dirais-je, euh, sans aucune euh, euh, contestation euh, possible. Moi, je dirais. Euh, Nisgrap nice dit « J'ai boulot, de nuit, JPP à plus. Ben, » Bon, travaille bien, euh, Nisgrap. Nice euh, à, à la prochaine, sans doute. Bourdezette dit « Bob est en live. » Eh bien, je lui souhaite un très bon live. Et euh, si jamais euh, je finis avant lui, je n'hésiterai pas à le raid. Billy, Billy, t'as rien, bug le barbare dont j'ai totalement oublié de faire la voix. dit salut euh, Mamout pardon dit « Salut, salut à toi. » Euh, utilise le chat pour la première fois pour dire salut. Euh, bonjour. Sois le bienvenu. Euh, Pose-toi et désolé que ton espèce soit éteinte. Euh, Bugle le barbare en arrachant la tête creuse d'un de vos assaillants. Ses mains dégoulinent d'un liquide noir, le même qui nappe désormais le sol. Encore sous le choc de l'écoeurement, vous laissez la pointe de votre arme errer dans le visage creux d'une de ces créatures de cauchemar. Malgré vous, votre réflexe de vomissement vous rattrape et vous videz vos estomacs, votre estomac dans le récipient crânien, dans le récipient crânien du cadavre que vous examinez. C'est dégueulasse. Bob, Bob, c'est dégueulasse, dégueulasse. Faut pas, faut pas vomir dans la tête des gens, c'est, c'est, enfin. L'odeur est répugnante, bah oui, c'est pour ça en partie. Euh, et votre ami vient vous soutenir en passant votre bras sur son épaule. Respire, gamin, souviens-toi de ce que tu dis tout le temps. Respirez, c'est important. Parzark, hein Parzarkan, c'était quoi ces choses Je les tué, mais ça les tuait pas. Chuchotez-vous en hurlant. Plus tard, gamin, faut qu'on se tire d'ici. Vous quittez les termes en courant. Peu importe... Chuchotez-vous en hurlant, oui, c'est une figure de style. Euh, Léonidade ni Ne vomissez pas dans le trou des, des, des gens les enfants. Effectivement, il ne faut pas faire ça. Peu importe si ces choses étaient des pucerons sacrés, des bestioles divines ou des membres d'une espèce protégée en voie d'extinction, malgré la distance qui vous sépare désormais, le souvenir de l'image atroce de ces monstres continue de vous poursuivre. Si quelqu'un a l'audace de vous accuser de leur mort, vous l'enverrez les rejoindre. Reprenez votre souffle au détour d'une ruelle en 116. Eh bien, c'était un combat euh, avec beaucoup de triches. 116. L'important, c'est de s'amuser. La nuit tombée laisse éclore son lot d'habitués. Les arts furtifs à la recherche... Euh... OK. OK, la, tra la transition est bizarre. Les arts furtifs à la recherche d'eau, futurs ivrognes et insectes en quête de lumière. Celles qui émanent des fenêtres environnantes laissent entrevoir plusieurs vies. Ici, une famille qui profite de son repas. Là, un artisan solitaire qui œuvrera jusqu'au lever du jour. Ou encore un couple qui aurait dû garder la lumière éteinte. Sexe. Une veillée paisible, somme toute, si l'on nommait bien sûr les abominations au visage absents qui rôdent aussi silencieusement que des paupières fermées. Adossé à un grand mur de pierre, le pyro-barbare vous laisse respirer une seconde. Ici, si on sera bien, ils peuvent venir que d'un côté. À couche, lui soufflez-vous. Des creux, dit-il en remuant à peine les lèvres. Des saloperies sans nom et sans tronche, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Des creux Qu'est-ce qu'ils foutent dans cette ville Aucune idée. Fanta, lui, il saurait. Il savait toujours tout, murmure-t-il avant d'ajouter. C'est saleté boss pour le dieu gris, l'ennemi juré de Zarkane. Mais je croyais que les autres dieux le tenaient en respect. Il est plus malin que ça. Il crée des machins dégueulasses et il les envoie la baston à sa place, c'est dur à expliquer. C'est. hésite-t-il avant d'essayer quand même. Nous, en crâne l'orne, on vénère pas les autres dieux. On sait qu'ils existent, mais le plus fort, c'est Zarkane. Donc on s'arrête à lui. Mais de temps en temps, on leur sacrifie quand même un petit truc. Une versée de gnôle, de pourrait dire. une arme pour Atella, une séance de muscu pour Mutra. Ils en demandent pas plus, tu vois? Hochez-vous la tête en vous, en vous demandant ce que penseraient les églises respectives de ces offrandes maladroites mais bien intentionnées. Remarque, si Cranelan existe toujours, c'est que les dieux sont contentes ou qu'ils ont compris que les peuples du Nord sont imperméables à toute pédagogie qui n'implique pas une main dans la gueule. Mais Véter, Väter c'est encore autre chose. Ce dieu-là il veut rien ou l'inverse en fait. Il veut tout. Ta tête, ton visage, ta vie, tes actes. Le seul truc qui l'intéresse, c'est que plein d'humains crèvent. C'est pour ça que quand tu vois un creux, faut l'attaquer à vue. Si ça tenait qu'à lui, on finirait tous comme eux, termine-t-il avant de cracher sur le sol. Moins que des esclaves. Vous enfouissez l'envie de vomir qui resurgit en même temps que le souvenir des êtres dépourvus d'âme. Vous déglutissez péniblement en regardant la lune noire s'élever dans le ciel aux côtés de sa grande jumelle éventrée. Difficile de ne pas comparer sa texture frémissante avec celle de vos assaillants. Si les nains craignent de perdre leurs reflets, vous craignez simplement de ne plus reconnaître le vôtre. Il est temps de chercher refuge pour la nuit. Si, vous so si votre sortie de prison s'est faite grâce au nain incariâtre, allez en 295, c'est le cas. C'est parti. 295. Le nain incariâtre qui a une voix qui n'est pas facile à faire. Mais c'est un choix, un choix artistique, et il faut s'y tenir. 295. Le Sans-Fleuve. Une taverne aux pierres noircies par le temps et la crasse. Un endroit aussi animé que les parias des abusés qui l'occupent. Les lampes, qui l'éclairent, luisent d'une rougeur suspecte causée par des jeans de feu exténués. Tout au fond de la salle, vous apercevez Cassine, fils de Tazine, fils de Fassine. Ce dernier fait tout pour alimenter les braises de sa hargne à grande goulée, sans doute pour repousser la mémoire de ses illustres ancêtres, et du spectacle déshonorant qu'il leur impose. Seul à une table, il ne lève pas le nez lorsque vous le rejoignez, obnubilé par son reflet déformé qui le juge du fond de sa chope. Je pensais que vous me rejoindriez plus tôt, murmure-t-il. Êtes-vous préparé pour demain pas autant que toi, chuchote le bébé en observant le nombre de chopines vides sur la table. Plus ou moins, l'une des dames que vous nous avez recommandées a accepté de nous aider et on a trouvé des trucs qui seront utiles, enfin, peut-être, répondez-vous. Non dis, non, dis pas plus. L'espoir est un poison qui te tue plus insidieusement qu'une déception certaine. Grogne-t-il avant de fermer les yeux et de prendre une grande aspiration. J'ai déjà accepté mon sort, mais toi, tu dois vaincre ce destin, jeune Billy. » Le gamin vaincra, il a déjà vu pire. Acquiesce votre ami. Pas plus tard que ce soir d'ailleurs, soupirez-vous. Cette dernière remarque intrigue votre compagnon. Vous prenez un instant pour lui conter l'absurde rencontre avec les creux pendant que le barbare va chercher un plateau repas. <coughs> Impossible, ronchonne-t-il en se caressant la barbe. Je n'ai jamais aperçu de tels êtres, mais la sensation que tu décris, elle m'est familière. Aucune chance, je vous assure qu'entre ce que je vous ai dit et la réalité, vous n'obtenez aucune réponse. Cassine le nain abat son poing sur la table, faisant rouler les chopes vides qui s'écrasent sur le sol. Je la connais car elle est partagée par tous ceux qui n'ont aucun reflet. Crie t-il avant de réaliser que toute la salle le regarde, et de se rasseoir. Mais mais vous il vous en reste un, non? murmurez vous en vous rapprochant doucement de lui. Ce n'est pas le mien, ajoute sombrement Cassine. Vois, jeune Billy, vois comme mon verre est tenté par un reflet, celui de mon père. Vous contemplez avec lui la réflexion vacillante de son visage renfrogné, de ses sourcils accusateurs et de la désapprobation dans son regard. Le bois de la chope grince légèrement sous la poigne du nain destitué avant que le contenant ne soit vidé d'un seul trait. Vous ne savez pas quoi lui dire et préférez reprendre votre place initiale autour de la table. Et vous, que dirait grand votre grand-père en vous voyant Vous reconnaîtrait-il seulement Ou peut-être que, parce que votre aventure vous a changé, il vous reconnaîtrait enfin vos aventures Heureusement, l'instant est interrompu par votre amie qui revient avec une serveuse au teint légèrement outré. Je rapporte la bouffe, mais elle voulait pas que je touche à la flotte. Du coup, euh, je l'ai fait me suivre. Euh, vous prenez quoi Si la politesse ne l'étouffe pas, cette naine se comporte correctement avec vous. Avec Casine, en revanche, elle ne cesse de le rabaisser, de l'humilier verbalement. Le fait que Cassine ait été servi plusieurs fois témoigne de sa patience, même si vous le voyez, vous la, vous le voyez serrer les dents. Impuissant, il est dépendant de la mégère pour se faire servir et celle-ci abuse de son privilège avec la plus grande viciosité verbale. Quand elle daigne enfin lui offrir une autre lampée, le visage du crâne lornien est aussi sombre que le vôtre. Si vous souhaitez apprendre l'humilité à cette naine abusive, lavez littéralement l'affront que subit votre compagnon en 322. Si vous préférez attendre qu'elle parte sans causer une scène, prenez votre repas en silence, gagnez 5 points de vie en vous allongeant sur une paille à salle en 289. J'ai bien envie de faire chier j'ai bien envie de faire chez 322. De toute façon, je prends tous les choix qui me qui, qui me déshonorent. j'ai ma première partie, j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai fait à, à fond sur l'honneur. Donc cette partie-là, c'est à fond sur le déshonneur. Et c'est parti. Vous n'imaginez même pas l'ampleur des insultes que Casine a dû subir si elles sont à la hauteur de l'extrait auquel vous, devez vous venez d'assister. Maudit soit ses nains et leurs coutumes sordides. Tout ça pour un vulgaire bout de tissu, oui donc parce qu'il a plus son. il a plus son, son, son turban. Maudit soit ses nains. Malgré son tempérament colérique et son tombouru, Casine n'a agi qu'honorablement, vous aidant à la moindre opportunité sans jamais rien demander en retour, allant même jusqu'à risquer d'écourter sa vie miséreuse pour vous donner une chance de prolonger la vôtre. Ils aiment les règles, très bien, mais il est temps de leur apprendre qu'elles sont à double tranchant, euh, à l'inverse de leur sabre. Oui. De l'eau, demandez-vous à la serveuse qui vous sert automatiquement. Une fois rempli à rabord, vous lui jetez votre verre au visage. <laughs> oh De l'eau, recommencez-vous en agitant le récipient sous son nez. Mais comment osez-vous commence-t-elle à crier. J'ai soif hurlez-vous avant de reprendre une voix calme. De l'eau. Oh la vache, c'est insupportable. Tremblante de rage, la serveuse cherche une autre naine autour d'elle pour se soustraire à votre présence, mais aucun regard ne vient la soutenir. Les autres occupants de cette taverne miteuse ont déjà bien assez de problèmes pour ne pas irriter un étranger en attente de jugement pour meurtre, surtout quand il est accompagné par son zar. De l'eau. Détaillez-vous plus insistant cette fois. Nedira vous le fera payer. Vous mourrez mille morts. Une suffira, répondez-vous en buvant la moitié de votre verre et en versant le reste sur sa tête. Elle accepte le liquide, votre déesse Trempée, congédiée, profondément humiliée, la mégère piétine violemment le sol en regagnant les cuisines. Depuis votre table, vous l'entendez sangloter aussi impuissante que le nain qu'elle s'amusait à harceler. Bien fait pour elle En RNR, on se serre les coudes. Répondez-vous au regard interdit que vous lance Cassine. C'est le seul moyen qu'on a pour survivre. Je... Je ne connais pas cette expression, mais... Je vous remercie d'avoir bravé la tempête pour moi. Oh, <laughs> putain, c'est... Je vous remercie pour le, 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 le... Ne, ne parlons pas de ça. T'as vu ce... J'ai pas envie. T'as vu ce... T'as vu, ce... vu, ce... vu ça, gamin Tous leurs dictons, c'est des trucs du désert. Blague le barbare. Te moque pas, ils ont pas grand-chose d'autre dans la région. sauriez vous en donnant une petite tape sur l'épaule du nain le choc culturel qui lui a fait lever les sourcils se dissipe rapidement, laissant la place à une, son expression habituellement renfrognée. Il grommelle néanmoins, sa barbe est fendue par un minuscule sourire. Vous décidez de rester là et de profiter de votre repas sans faire plus d'histoire. Gagnez un point de rancune Yes Je suis un connard On est à trois points de rancune. Gagnez un point de rancune euh, et regagner 4 points de vie il y a LignyRef qui dit la run rancune c'est défoulant en vrai je me sens pas très bien <laughs> je le fais pour dire que, que, que je vise la rancune max mais j'aurais préféré, préféré pas le faire en vous couchant sur une paille à salle en 289 je, je, me sens, je, je, me sens, je me sens pas c'est pas gentil c'est pas respectueux euh, J'ai pas besoin de gagner des PV, je suis à max, hein, je suis à 9, 12, je suis à 12. Ouais, ça. ok. On est avec les dieux. Au-delà du firmament baigné par l'éclat des lunes, un costume de fumeau... Alors un fumeau, c'est un dromadaire avec une tête de canard traverse les cieux, donc Un costume de fumeau rapiécé traverse les cieux avec la grâce d'un canard étranglé. La poussière d'étoiles laisse une lueur divine dans son sillage et retombe gracieusement sur les sables du grand désert. Accompagné par le hurlement harmonieux du grand Fumtar, dieu de la justice, de l'administration et de la gravité. Greg demande, tu as combien en rancune J'ai trois. Qui, pour l'instant, n'est qu'un simple ornithorac en pleine crise de panique <laughs> des creux, c'est la merde adresse-t-il aux dunes de sa voix divine. Effectivement, c'est préoccupant, répond Moutra à travers le costume opaque en essayant d'observer la capitale de ses yeux. Pas délire conclut Nit en s'ouvrant divinement une bière. Le psy pressurisé fait taire Fumta qui commence à se gratter la tête dans tous les sens. Je savais que c'était un mauvais plan Zarka ne demande pas des trucs Il ne demande jamais des trucs Reste... Euh... Reste calme, mon ami, affirme la voix étouffée du dieu à tête d'aigle. Nous devions juste confirmer si Véther était présent ou non dans la région. C'est chose faite. Un succès retentissant, je dirais. Tu veux dire que c'est fini on, veut, on, peut, on peut rentrer maintenant. Maintenant, que diriez-vous de couper l'herbe sous le pied du grand Arcane ajoute Mutra d'un air facétieux. Explique le délire. Hein Questionne Nitz. Je ne sais pas d'où c'est sorti ça. Questionne Nitz pendant que son ami à tête d'aigle saisit ses deux comparses par les épaules. Supposons qu'on arrive à bouter Vetter, l'ennemi juré de l'autre rabat joie. Que, pense, que pensez-vous qu'il arrivera Le peuple de Stilla nous vénérera d'arrache-pied. Imaginez une statue encore plus grosse que celle des dire La gloire pour nous seuls. Sa euh, tirade est ponctuée par le. <tousse> porsif d'une paille. Pardon, il y avait écrit leur par j'ai fait ce que j'ai pu par le <laughs> pensif d'une paille qui n'aspire que du vide. Après quelques instants, Nit élève la voix. Je trouve ça over grand, mais c'est pas cool pour les collègues. Il y a plusieurs. Eh, hey, je fais ce que je peux. Évidemment, on partagera, chéri l'aigle solaire. Solaire. On aura juste un peu d'avance. Voilà tout. Une sorte de délire d'initié. Trop cool. Je suis partant. Moi aussi! affirme le petit ornithorynque provoquant la surprise des deux autres. Les nains suivent les procédures! J'ai besoin qu'ils suivent les procédures! C'est les seuls qui me prennent au sérieux! assène-t-il en acceptant la bière que lui tend son ami à travers le costume avant de la descendre cul sec. Tu n'as pas d'autres fidèles? Si, mais ils passent leur journée à me rajouter du travail! À quand, remont à quand remontent tes dernières vacances? s'inquiète Moutra. À quand remonte ta dernière éclipse? renvoie sauvagement le petit mammifère à l'alcool mauvais. Hein, tout ça, c'est un bon plan, je trouve. Interrompt avec un sourire. Mais si on n'a pas de plan, mauvaises mauvais plan, vois. Et souviens-toi qu'ici, on ne peut pas quitter le costume. Zarkane nous a envoyé surveiller le garçon et le crâne d'ornien. On n'a qu'à se servir d'eux. S'ils ont attiré des creux, c'est qu'ils sont sur la bonne piste. Tu sais bien qu'on peut pas intervenir! S'ils soufflent pas dans la corde, on sait même pas où elle est! Je croyais que tu savais où tout était placé et que tu gérais le moindre mouvement des choses. Tu crois que j'ai que ça à faire De lire tous les papiers qui passent sur mon bureau J'ai pas le temps Bon, bon, apaise le colosse cuivré. Il ne nous reste qu'à nous armer de patience et attendre le moment propice. Oh, oh j'ai apporté des chips C'est comme une grosse soirée pige, délire s'extasinite en forçant Fumtar à en avaler une poignée. Le ciel continue sa ronde nocturne et inexorable en silence, perturbé seulement par le grignotage croustillant des trois dieux majeurs qui prennent garde à ne pas mettre de miettes dans leur costume céleste. Réveillez-vous en 300, 300, ça veut dire acte 3. Non Absolument pas Absolument pas Helios euh, dit tu suis le stream de Bob aussi car le titre de Bob te fait hommage. Et ben ça c'est très gentil mais je ne suis pas le stream de Bob. Je vais aller regarder ça très rapidement. Je dire mon titre de stream lui fait hommage aussi. <laughs> Le titre du stream de Bob, ça change. Suspense, suspense de mon côté. Quoi Leg avait raison. Dragon's Frazetta. Ah, il faisait hommage à toi avant, maintenant c'est à moi qui fais hommage. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai raté du coup euh... Ni, t'as des cadettes de bière en aluminium What Bah écoute, c'est un dieu, il fait ce qu'il veut, non J'aurais tendance à dire ça, moi. Ok. Niner me dit c'est moins drôle dit comme ça, il faut donc faire gaffe à pas trop avoir de respect ou de rancune. Ah non, moi je, là, je, suis à fond sur la, je suis à fond sur la rancune là. Je suis à fond sur la rancune. Euh, ok. 300. Vous vous éveillez brusquement, persuadé que quelqu'un vous, obs que quelqu vous observe. Fort heureusement, seul le barbare occupe la pièce. L'impression ne vous quitte pas, mais vous êtes reconnaissant d'avoir pu profiter d'un réel instant de repos. La douce lumière de l'aurore annonce aussi que le jour du destin s'est levé. D'accord mon cœur. Camille dessine au feutre en ce moment. Et elle n'a pas assez de feutre. « Tribunal ou Colisée Cette nuit, sans rêve, vous apportez conseil et voici venue l'heure du choix. Vous rassemblez vos affaires et rejoignez les gardes nains qui vous attendent à l'extérieur. Si vous désirez qu'ils vous conduisent au tribunal, suivez-les en 310. Si vous préférez laver votre honneur au Colisée, demandez à être guidé au Scorpiodrome en 340. Ça va chier. Euh... 340, c'est parti. 340... C'est 340... Début de l'acte 3. Donc si, en fait, on est euh, parti pour l'acte 3. L'acte 3 qui s'appelle violence vraie. King Bradley a utilisé le chat pour la première fois pour dire salut Links, je suis au taf mais je passe juste pour te souhaiter une bonne soirée à toi et au chat. Ben, merci beaucoup à toi. Si tu veux voir les replays de ces lives, ils sont disponibles sur ma chaîne euh, YouTube euh, Links Off. Donc n'hésite pas à les regarder si jamais tu ne peux pas suivre au euh, taf. Irkand, il faut faire un pari sur s'il va mourir. C'est pas gentil. Mais faites, faites, faites. Il n'y a pas, absolument aucun souci. Il n'y a rien à gagner. Sinon euh, l'humiliation euh, et le plaisir de ne pas être humilié. Inutile de perdre plus de temps, vous avez choisi. Vous défendrez votre cause perdue au légendaire Scorpiodrome de Geral. Après quelques minutes de marche, vous rejoignez votre second compagnon devant l'entrée du de service du colossal Colisée. L'édifice gigantesque surplombe les habitations du quartier, telle une montagne extravagante. De forme plus ovale que ronde et taillée en pierre blanche, sa façade est parsemée d'alcôves à intervalles réguliers dans lesquels se dressent les riches statues des quelques champions qui ont eu la grâce d'honorer son champ de bataille. Ou la chance d'en échapper vivant. C'est immense, vous émerveillez vous. Ouais. Mmh, 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 le barbare. Ouais, il fait la fierté de Stia, aussi profond que haut, répond votre second compagnon pendant que... Non, pardon, c'était... Euh, Je trouve bizarre aussi. Oui, il fait la fierté de Stia, aussi profond que haut, répond votre second compagnon pendant que le barbare siffle d'admiration. Au sous-sol, les préparatifs du spectacle, en hauteur, les places assises. Eh ben, gamin, je dois dire que ça a de la gueule. On a des arènes aussi en crâne lord, mais elles sont vachement plus petites. Et en bois, Obligé, hein, elles finissent toujours par cramer, de toute façon. Les duellistes brûlent l'arène en se battant, demandez-vous Non, généralement, c'est le public qui fout le feu lui-même. L'excitation, c'est tu sais ce que c'est. C'est pas un peu dangereux Bah ben oui, mais c'est une arène. C'est le but, soutient le géant en haussant les épaules. Vous, vous pincez les yeux un instant avant de reprendre votre contemplation. L'endroit apparaît aussi imbibé d'histoire que son sable lait de sang. De l'extérieur, vous entendez la foule qui gronde déjà, amusée par les spectacles que lui offre Saltimbanque, dresseur de fumeaux et autres pugilistes venus la faire patienter en attendant l'événement principal, la grande course de chars à scorpides. Sans parler de peur, vous commencez à ressentir une certaine nervosité à l'idée de vous tenir seul devant un public plus assoiffé de votre sang que vos adversaires. Dans les deux cas, il assistera à un événement historique, votre victoire éclatante. Euh, ou votre exécution sommaire. Un programme alléchant, somme toute Pendant que vous tentez vainement de vous rendre le plus présentable possible, le barbare pose sa main sur votre épaule. Si vous êtes arrivé en compagnie de frère Plouf poursuivant en 358, si c'est Cassine qui s'avère être votre compagnon de route, c'est 364 qu'il faut vous rendre. Je pensais que nous étions déjà avec Cassine. Eh bien écoute, j'avais pas compris. 364, c'est parti. Eh le grand jeu, un conseil pour le gamin demande le pb à Cassine d'un œil complice. Oxysez vos, ver... vos rivaux sans vergogne, mon garçon. C'est la première fois que je vois le verbe oxyre à, 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 à l'impératif. Oxysez. Ok. C'est dans le cadre de la loi dure en la course, annonce Cassine bouillonnant. Salut, DrBud97, bienvenue à toi sur le chat. Salut, femelle. Euh, euh, en temps normal, je euh, dirais que c'est un bon conseil, mais c'est pas très sport. C'est juste une course, non? T'as rien de mieux, s'enquiert le barbare. Si le contrôle de ton char t'échappe dans un virage, donne trois coups de fouet. Mais je l'ai déjà, celui-là! Oh, fais chier! Dans le beau sens. Qui auto, qui, que, que Yotos guide ton poing, mon garçon, ajoute le nain. Pas mmh. besoin des dieux, tonne le géant, vous donnant trois claques dans le dos. Le gamin a l'affaire dans ah, le gamin à la faire dans sac. Ça va être que du plaisir. Bonne chance, Billy! Vous passez la porte de, de service et pénétrez dans les coulisses du Scorpiodrome. Avez-vous rencontré Sapana? Si oui, retrouvez-la en 363, sinon patientez en 39. Nous l'avons rencontré. 363. Billy, vous voilà enfin annonce Sapana, les bras langoureusement ouverts en vous apercevant. Euh, je suis Billy, fils de commencez-vous allons, ah, pas de ça entre nous. Il n'y a personne d'autre ici. Bienvenue au Scorpio Drome. J'aime venir ici pour humer le parfum des chorales avant une course mortelle. Mort tel. Cela met mes sens en éveil, et mes chéris font d'excellents compagnons, dit-elle en caressant la quitine solide d'un scorpion fermement attaché. Imaginez un très gros scorpion euh, sur lequel on fait du cheval, quoi. Je savais que vous feriez le choix le plus raisonnable. Le tribunal vous aurait conduit à une mort ennuyeuse, mais ici, vous pourriez accéder à une gloire éclatante. Ou une mort sanglante, soulignez vous avec un demi-sourire. Certes, mais avec panache, annonce t-elle avec un étonnant réconfort dans la voix. Rares sont ceux à qui est offerte cette chance. Priez, voici pour vous, ajoute-t-elle en vous tendant un jeu de clés. Clé. Merci, mais c'est quoi Ma modeste participation à votre entreprise. Les clés de mon plus vaillant scorpidre, un métissage de dernière génération, à croissance rapide. Il est doté d'un attelage et d'un char dernier cri, très utile au vu des vétérans que vous allez affronter sur la piste. Vous jetez un autre coup d'œil à la créature derrière elle. Le scorpion géant renvoie votre regard de ses dizaines d'yeux noirs et ses énormes pinces tirent légèrement sur les chaînes qui le retiennent. À l'arrière, la lumière des lampes vient rebondir sur ses deux énormes queues, faisant luire des dards aussi acérés que son instinct. Vous réagissez enfin aux dernières paroles de la belle naine. Oui, scorpion avec plusieurs queues. Merci, il y arrive tout à fait. Des vétérans? Vous connaissez les autres coureurs? Vous avez des recommandations particulières? dites vous à l'affût de toute information qui vous permettrait de vous débarrasser d'un adversaire trop coriace. Aucune qui vous serait utile. Mais ne, dé ne dépérissez pas. Vos deux concurrents, la torche d'ardente et la poigne filante, ne sont que ringardise et obsolescences, sourit Sapana en s'approchant de vous. La course n'a pas commencé qu'ils sont déjà dépassés. Il ne vous manque qu'une dernière chose. L'espoir du survivre, dites vous en préparant à, pr à, pr à prendre place sur le char. Un rire étouffé retentit juste derrière vous et les bras de Sapana viennent vous enlacer pour vous serrer contre elle. La dernière étreinte du condamné. À la gloire, bien entendu. Surtout condamné à être une publicité formidable pour vos scorpidres, c'est ça Les humains savent-ils donc lire dans les pensées Gloustel en vous relâchant. Non, mais on n'est pas doué, mais on est doué pour prédire les emmerdes. Soupirez-vous en vous tournant vers elle. Merci pour votre aide, Pana. Tout le plaisir fut pour moi. Je l'ai juste associé à mon travail, voilà tout. Maintenant, hâtez-vous de finir vos préparatifs. J'entends les amuseurs qui reviennent. Vous regardez la belle concubine s'éloigner à travers la foule qui s'active désormais en coulisses. Vous l'ignorez pour vous vous pour vous l'ignorez pour reconcentrer sur votre Scorpidra. Intrigante, bête, presque inquiétante. Mais sa solide armure et le char qui y est attaché vous offrent un, un bonus de deux points d'habileté. 15 15, 15, 15 Mais c'est ponctuel, donc je ne vais pas le noter. Je vais juste noter plus 2 quelque part à côté. C'est ponctuel. Pourquoi faire du choc sur un scorpion dit The Femelle et euh, leur ami Psaume a la très bonne réponse parce qu'un scorpion géant c'est plus stylé qu'un chameau. Voilà, euh, on y est, on... bienvenue dans la tête de Bob. Euh, prenez une grande inspiration, terminez les derniers préparatifs en 93. Qui pense que je vais mourir, douda, douda Moi je pense que je vais mourir parce que je ne sais rien, j'ai que deux euh, conseils pour euh, m'en sortir. La dernière fois j'étais arrivé avec trois ou quatre lois euh, au tribunal, là je suis un peu dans le cax. <laughs> la bête harnachée ne prête pas attention à vous, seule votre odeur humaine semble lui créer une légère gêne contre laquelle elle lutte en se tortillant lentement. Par chance elle reste docile et vous laisse finir de la préparer. Durant la course, vous ne pourrez pas utiliser votre chance. Oh merde Pour gagner automatiquement. Euh, mais la règle de domination est également annulée pour tout le monde. Oh merde Tain, Si vous disposez de matériel pour améliorer votre machine, c'est le moment. Si vous êtes en possession de l'aileron dynamique, non Installez-le en 305. Si vous avez les disques cloutés, non Si vous tenez un rétroviseur, non enfin... Si vous n'avez rien et que vous avez déjà tout installé, entendez la cloche grave qui vous signale qu'il est temps de vous présenter la foule en 372. Je vais juste vérifier vite fait... Rétroviseur, si, j'ai rétroviseur Attendez. Attendez, attendez. dynamique disque clouté. Non, j'ai pas. Mais j'ai rétroviseur. J'ai rétroviseur. Merci les -Ré. Oui, oui, oui j'ai bien fait de regarder mon... J'ai bien fait de regarder mon... Euh, mon, mon inventaire. Donc, j'ai mon rétroviseur 533. 533. 533. Oh, bah, il a. À hmm. coller en 530 à côté du 528. Tu le, le, le 528, il est là, le 530, il est là. Bon, je vais poser ça ici. « su... ah oui. Laisse ton reflet surveiller tes arrières, » murmure la voix de l'ancien nain policier de miroir. Le souvenir de cette étrange rencontre vous arrache un sourire pendant que vous fixez l'objet réfléchissant, votre... réfléchissant à bord de votre char. Vous procédez à un dernier réglage et croisez le regard de votre reflet qui vous renvoie à un hochement de tête assuré. Parfait. L'ustensile devrait vous permettre de garder un œil sur vos adversaires durant la course, en espérant que vous aurez l'occasion de vous en servir. Tant que vous serez dans la course, vous ignorez les dommages pris lors du dernier tour des combats, quel que soit votre nombre de points de vie. Reprenez vos préparatifs en 93 et suivez le son de cloche de votre destin en 372. D'accord, ignorez les dommages pris lors du dernier tour des combats. Ok, ignorez le. Attends. C'est le page correctif pour, pour, la... pour, la... pour la forteresse du chaudron noir. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, je me disais, le Rebus me disait quelque chose. Ok. Quel que soit votre nombre de points de vie. Donc, ouais, d'accord, okay. Ignorez les dommages pris lors du dernier tour des combats. Ok, ok, ok. 372, il faudra pas que j'oublie ça. Ignoré. 372! 372! Oh non! Vous pénétrez dans l'arène, aveuglé par le soleil ardent et, et assourdi par la clameur endiablée qui s'échappe des gradins. La lumière vous brûle littéralement les rétines, mais nul besoin de voir pour sentir les centaines, les milliers d'yeux rivés sur vous. Avant que vous ne fassiez votre entrée, les chars de la torche d'ardente et de la poigne filante vous ont précédé sous les hurlements hystériques de la foule. Les huées se mêlent aux acclamations lorsque vous prenez place sur la ligne de départ. Et comme tous les stades, le scorpiodrome dérobe l'intelligence de ses spectateurs pour la remplacer par une fougue animale, aussi euphorique que sanguinaire. La légende du jour y est pour beaucoup. Vous êtes l'humain qui a décidé de braver la raison pour vous livrer au spectacle impitoyable du Colisée et de sa justice primitive. Aucun doute que s'ils avaient eu plus de temps, tous les camelots du coin auraient vendu des prolocs à votre effigie. Sans que vous en touchiez la moindre pièce, bien entendu. Oui, il y a du bruit dehors. Ça ressemble à un feu d'artifice. Ça ressemble à un feu d'artifice, non Soit ça, soit c'est la guerre. Bon, c'est probablement un feu d'artifice. Euh, la voix stridente de l'animateur vous tire de votre réflexion. Il vous présente à votre tour à l'assistance, perché sur une estrade de pierre, la bouche collée à un gigantesque porte-voix torsadé. Est-ce qu'on tente un truc Parce que j'ai téléchargé Voice Mode, pas téléchargé, j'ai acheté Voice Mode, et il euh, y a des modificateurs de voix vraiment nuls. Est-ce que vous voulez que je mette un modificateur de voix vraiment nul Je ne sais pas du tout ce que ça donne, je n'aurai pas mon retour, donc je vous fais confiance. Je le fais une fois, je regarde vos réactions. Si jamais c'est nul, n'hésitez pas. Si jamais c'est drôle, n'hésitez pas. Bref, je compte sur vos retours. Comment Si jamais vous hésitez, euh, vous êtes un mauvais viewer. Voilà, une mauvaise vieuse. Alors, si jamais vous hésitez, n'hésitez pas. Très bien, très bien, très bien. Euh, alors, donc, normalement, j'ai un truc genre présentateur. Euh, J'essaie de trouver un truc qui fasse présentateur. Alors, j'ai plusieurs, parce qu'en fait, vu que c'est un truc anglais, il modifie ma voix, mais, mais il va, mais il, en fait, il va me donner un vieil accent anglais aussi. Et alors, il y en a qui modifient seulement la voix, genre plus grave, plus aiguë, écho, machin, truc. Mais il y en a qui va complètement modifier ma voix. Genre, par exemple, alors c'est juste pour vous montrer euh, l'esprit du truc, je vais mettre, euh, je sais que pirate, pirate, c'est particulier. Je vais mettre le pirate, euh, je vais l'enlever relativement vite. Euh, Est-ce que ça, ouais, voilà. Ouais. là, j'ai ma red card. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu du micro pour éviter que ça s'attire trop, mais vous voyez, normalement, j'ai une voix très particulière avec un vieil accent. Et si j'en crois ce que Jérémy m'a dit, je n'ai pas fait de test. Je n'ai pas écouté cette voix-là. Je ne vous parle peu de la réaction de Jérémy. Jérémy dit, c'est très spécial. Je vais chercher pour trouver quelque chose qui euh, fonctionne. Voilà. Yakan dit, waouh! C'est débile, mais génial. Le son est fort. Je vais descendre un petit peu le son. Je vais laisser le son du micro. N'hésitez pas à remonter le son du micro quand j'aurai quitté. Quand j'en ai un. Donc, ça, c'était le pirate. Je vais virer le pirate. Hop là, voilà. On retourne à. Euh... Le son est très fort. Ils vont dire que t'es très... qu'ébécois. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Donc, remonter le son de ma voix. Euh, normalement ma voix était à peu près à ce niveau là je crois il mâche les mots faudrait plus s'articuler d'accord d'accord euh, ok donc dans ce cas nous allons euh, trouver une voix idéalement faudrait que j'ai une voix qui euh, qui y a une voix de narrateur mais c'est pas ce que je veux moi je veux vraiment un présentateur cheap mic euh... je cherche je cherche c'est peut-être une très mauvaise idée hein. on voit on, voit, on, on, on cherche écoutez c'est pour, pour le fun c'est pour le fun euh, j'ai un truc qui s'appelle Boomer. Ah, j'ai un truc qui s'appelle Speechifyer. Oh, ça peut être bien ça. L'accent rend compliqué à comprendre. Ouais, ouais, ouais. Si jamais c'est un. Je vais essayer celui-là. Là, ça va peut-être être fait. Hop, là, je vais laisser un peu. Est-ce que là, c'est bien Est-ce que là, c'est bien Est-ce que là, c'est bien Est-ce que là, Est-ce que là, c'est bien Est-ce que des effets C'est ça. Hop, j'ai géré les effets. J'ai géré les effets. J'ai géré les effets. Un euh, Ça fait une fail. On entend la musique. Moi non j'ai la musique. Et là, mais comment Est-ce que ça fait le présentateur On comprend pas. D'accord, ouais, bah, si ça. ça. C'est pas le coup. Hop. Je, je, je cherche, je cherche. Si si je trouve pas relativement vite, j'arrête de chercher. On comprend. Ça, ça se prépare à l'avance, mais oui, j'ai pas. De... Il y en a un qui s'appelle Ruby. Donc Ruby Rhodes dans euh, le Cinquième élément. Mais je sais pas trop, euh, je sais pas trop. Speech jammer, non, c'est pas l'esprit. Euh, je cherche, hein, je cherche, j'en ai il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup mais s'ils sont tous mauvais. On peut essayer Ruby Road, ouais, mais je pense que ça va vous me dites. Mais je pense que ça va me faire un accent québécois encore. Je pense que ça ne va pas fonctionner très très fort. Après là, le son n'est pas trop fort non plus. pour Z dit nope. Ouais, peut-être que, peut que ça ne fonctionne pas, vous me dites. Peut-être qu'il faudrait que c'est trop futuriste pour du Colisée, d'accord Pas d'accent, mais c'est pas adapté. Ok. Ok, ok. Il y a Odin. Est-ce que j'ai oublié le texte du, euh, du Stian Zestio, honorable serviteur de sa majesté et du grand turbo Il faut distraire ouais. moi. Je ne comprends pas, ça fait pas un reporter. C'est pas reporter, c'est présentateur. C'est très grave, il faudrait juste un peu d'écho en vrai. Voilà, oh là, bon, j'en C'est un dernier. Fait chier parce que j'ai acheté ce truc là et je m'en sers que pour faire un écho, c'est quand même dommage. Bah oui, mais ça prendrait 40 ans à préparer. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Euh, il y en a un qui s'appelle téléphone, il y en a un qui s'appelle vibrato. Euh... <laughs> il y en a un qui s'appelle mégaphone, mais je sais pas si c'est pas celui que j'ai déjà essayé tout à l'heure. Ok. Alors attends, voilà. Ok. Hum -hum. Tien Zestian, honorable serviteur de Sa Majesté et du Grand Turban, nombre d'entre vous sont venus pour assister de vous-même à l'exécution. Ah Est-ce qu'on a, est qu a trouvé Ok, alors je vais l'enregistrer il s'appelle Mégaphone. Ok, donc là c'est bon. Là on est sur... Euh... Là. Je vais regarder Stéphane. effet. et honorable serviteur de Sa Majesté du Grand Turban, nombre d'entre vous sont venus pour assister de vous-même à l'exécution de celui qu'on appelle déjà l'assassin, l'étranger ou encore le coupable. Mais ce que vous ignorez Prolonge-t-il dans une maîtrise oratoire impeccable C'est que vous êtes ce jour les témoins d'un héritage historique, car ce meurtrier, cet éventreur, ce forçat, ce nomme Billy, fils de quelqu'un, fils du terre du Un instant c'est cool avant que le public abasourdi n'explose dans une clameur excitée. Oui, oui, vous ne rêvez pas, ce réclusionnaire, cet exilé, ce clandestin n'est autre que le petit-fils d'Uther le rond carré, Uther la main grise, Uther, non malgré lui. <laughs> si l'hystérie était liquide tous les occupants du colisée seraient noyés ce triste sire connaîtra-t-il un triste sort ou les dieux interviendront ils en sa faveur sera-t-il caressé par la main d'iotos ou écrasé par son poing divin L'évocation de votre pépé citrouille suffit à enflammer les gradins. Votre grand-père a apparemment laissé ici aussi un souvenir impérissable. Vous ignorez si vous ressentez de la fierté de fouler le même sable que lui ou du regret de le faire pour une raison différente. L'animateur n'a pas fini de s'égosiller puisqu'il interrompt bruyamment les acclamations. Un silence attentif submerge immédiatement la foule suspendue aux lèvres du nain au turban outrancier. Un quatrième contestataire vient de rejoindre! Plus rare encore que l'héritier félon, venant tout droit des mythiques contrées du Nord mon Nord, nord au-delà même des sables et des miroirs! Ménènes et Ménins, j'ai l'honneur de vous présenter un authentique ZAR! hurle-t-il en pointant du doigt l'entrée de l'arène reine d'où surgit le barbare à bord d'un char. Fièrement dressé derrière son scorpidre, le pb est bien décidé à participer lui aussi aux festivités. Tenant les rênes d'une seule main, il salue joyeusement la foule de l'autre, envoyant œillades et baisers aux naines qui croisent son regard. Arrivé à votre niveau, il ne vous regarde même pas en prenant la pose et en bondant ses muscles pour la plus grande joie du public. « Mais qu'est-ce que tu fous » murmurez-vous en hurlant. Euh, « Là encore. »« Bah quoi » répond-il en vous gratifiant d'un clin d'œil. « Je n'allais pas te laisser t'amuser tout seul !» Malgré vous, vous êtes pris d'un rire incrédule. Personne ne te fera changer d'avis, hein. Si je le fais pas, je vais y penser plus tard. Faut toujours faire les choses avant de pouvoir les regretter, gamin. Sinon, tu fais jamais rien, médite-t-il. Fais-moi pas de cadeau. <laughs> T'en fais pas, rassurez-vous. J'ai bien envie de te coller une raclée. Là, tout de suite. Ça, c'est l'esprit du sport, gamin, sourit le géant. Que le meilleur gagne. Vous balayez une dernière fois les gradins du regard avant le départ. Avez-vous rencontré Nadé l'érudite Nope. Si oui, faites-lui signe en 173. Sinon, cherchez Pana des yeux en 603. 603, hein. C'est parti Tu es content d'avoir trouvé un effet qui fonctionne Alors, Il faudra que je fasse le tri. Il y a une, une fonction favori sur ce logiciel-là. Vous n'avez aucun mal à trouver Sapana située sur une estrade qui surplombe la piste de course. Le foulard simple qu'elle tient à la main contraste avec sa tenue diaphane et ses formes voluptueuses offertes au vent. Vous vous demandez par quelle sorcellerie elle a pu changer de tenue aussi rapidement, mais son adresse est sans doute liée à l'ergonomie de ses courbes généreuses et à l'aspect, euh, disons, minimaliste de son ensemble. Remonte un peu le son, oui, bien sûr, pardon. Heureusement que t'es là, Riton, heureusement que t'es là, parce que sinon, on serait toujours avec un son nul. Merci à toi. En vous apercevant tous les deux, son regard traîne longuement sur les cambrures musculeuses du PB avant de se joindre aux vôtres. Le coin de sa bouche relevée se transforme en sourire sincère et vous êtes subjugué par son mordillement de lèvres. <laughs> Le sexe. Le coin de sa bouche relevé. D'un signe de tête, elle vous invite à porter votre attention sur une autre femme naine assise non loin d'elle. Cette dernière vous observe avec une grande intensité et ses yeux semblent presque rougeoyer depuis l'ombrelle qui la couvre du soleil. Vous ignorez pourquoi, mais la pâleur de l'intrigante inconnue et l'intensité de son regard vous donnent la chair de poule. Vous levez un sourcil en direction de Sapana, mais elle ne vous répond qu'avec un clin d'œil énigmatique avant de se préparer à donner le coup d'envoi. Mmh, mystérieux. Pas le temps de l'interpréter. Tous vos sens entrent en éveil pour fouetter votre monture en attendant le top départ en 320. Alors oh. ça aurait dû être 321. 321. Je crois que c'est l'esprit. Mais. ça ah il est beau. Pardon, est-ce que je vous montre l'illustration Je réagis aux illustrations et je ne vous les montre pas. Ah il est formidable. Il est grandiose. Ah il a, il a envie d'en découdre. Hein. Ça chier. Tous les concurrents sont... Coude à coude pour, sur la ligne de départ. Les scorpions géants trépignent et remue la sable, le sable. en frétillant d'impatience. happés instinctivement par l'intensité de. La... J'arrive pas à lire. L'intensité de la foule. Euh... Légère dit ah tu as réagi au nombre du module. Bob serait fier. Non mais je, 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 je dis pas souvent mais je sais qu'il aime les, les... Les, les, les jeux comme ça, genre les symétries, les trucs, les machins, ça fait... À chaque fois, je me retiens de le faire, mais souvent, je remarque. Euh... Par exemple, il n'y a, de... a pas de numéro 404. Je sais pas quand... Quoi... Je, je, je vais revérifier. Hein. Il me semble qu'il a, il a viré le 404. Euh, c pas... Non, ce n'est pas le 404. Je, je, je... Attends. Si, c'est ça, il n'y a pas de 404. Je crois qu'il n'y en avait déjà pas dans la forteresse du Chondron Noir. Il me semble, je ne sais plus. peut Scorpion... dans instinctivement par le public retient désormais son souffle. Du haut de sa tribune, la belle naine a lâché son foulard qui, une fois qu'il aura touché le sol, déclenchera le début d'une course sans merci. Les rênes fermement enroulées autour de votre poignet, vous vous interrogez soudain sur le nombre de tours prévus. C'est idiot, mais vous n'avez pas pensé à le demander. Bah, au point où vous en êtes, euh, ce ne sont pas quelques tours de manège qui vont vous arrêter. Et puis, l'immense gong suspendu sur le côté a sans doute quelque chose à voir avec ça. Le foulard est sur le point de toucher le sol et il faut faire un choix. Si vous avez les lois aérodynamiques d'installer les C1, vous portez par sa technologie. Non. Si vous connaissez la technique pour débrider un scorpion, chatouiller la bonne plaque de Kitty en l'ajoutant au numéro de ce module. Nope. Si vous comptez sur vos réflexes, faites un jet d'adresse en 324. J'ai toujours deux en adresse. Hein. Ouais. Non. Euh, si vous ne souhaitez pas prendre le risque inutile de mourir avant le premier virage, prenez un départ normal en 150. Départ normal. Tant pis. Au moment où le foulard de la belle concubine touche le sol, les claquements de fouet fendent l'air et les quatre chars prennent un départ explosif. Les premiers mètres sont avalés au coude à coude et aucun des concurrents n'est capable de prendre le dessus sur les autres. Les scorpides Ah, il manque un R, faute de frappe, ce livre est nul. 421, on joue au D610, il se passe des choses... Ouais. Les scorpides recouinent sous les coups de boutoir des pilotes et chacun euh, vocifère son jargon aux bêtes surexcitées. Il va falloir trouver quelque chose pour vous extraire de ce peloton assourdissant et ça tombe bien, un virage serré à gauche arrive. Il est trop étroit pour 4 mais c'est l'occasion rêvée de vous démarquer. Si vous souhaitez vaincre à la loyale, faites un jet d'habileté en 391... <laughs> C'est faisable. Si vous connaissez l'astuce pour prendre les virages, alors divisez le nombre du module actuel par le bon nombre de coups de fouet pour braquer votre scorpide. Enfin, si vous êtes prudent, je ne suis pas prudent. Qu'est-ce qu'on fait autour de le jet d'habileté Oh non, je connais la technique. C'est trois, trois coups de fouet, ouais. Je tente je, Allez, je tente la technique. Ah Attends, je me désaltère un tout petit peu. Allez, tout le monde veut les coups de fouet. <laughs> Bande de petits coquins. Allez, les coups de fouet. On divise 150 par 3. Ça fait 27. C'est parti. Hop, 27. Dès le démarrage, la torche d'ardente et la poigne filante vous prennent en tenaille avec la ferme intention de jeter le vermisseau humain inexpérimenté que vous êtes dans le décor du premier virage. Je ne suis pas en train de dire le 27, je suis en train de dire le 50 évidemment. La courbe approche et le premier vous pousse vers l'extérieur tandis que le second reste à distance raisonnable pour vous empêcher de fuir. À l'entrée du virage, la poigne filante s'éloigne et le scorpion de la torche d'ardente... Assène un dernier coup de queue dans votre char pour vous faire glisser en direction du mur. La sortie de route est inévitable et le public retient son souffle. Les dents serrées, vous assenez trois coups rapides sur le côté de votre scorpion qui ondule de tout son corps et redresse l'attelage de justesse. Vous n'étiez qu'à un cheveu du mur et à un pas de la tombe. Le dérapage forcé soulève une gigantesque vague de sable qui enterre le premier rang et brise le sortilège. La foule se lève enfin et acclame cette figure de haute voltige terrestre pendant que la torche d'ardente fulmine ce. Un peu accommodant ne doit pas avoir l'habitude qu'on lui tienne tête. Vous décidez de lui rendre la pareille et adopter une conduite plus offensive jusqu'en 182. Pétez sa gueule. On va péter. On va péter sa gueule. 182, c'est parti. T'as. T'as. T'as provoqué le mauvais billet. Euh, torche d'Ardente. La torche d'Ardente et vous êtes maintenant au coude à coude. C'est entre lui et vous. Le son des roues se superpose à celui du sang qui bat dans vos oreilles, et les secousses de la piste font vibrer vos mains d'adrénaline. Le pilote adverse vous scrute avec une rage ouverte. Son corps étonnamment filiforme s'adorne d'une tunique flamboyante et d'une barbe roussie par endroits, mais son patronyme est surtout dû à son turban. Une torche immense, ornée d'une flamme léchée par le vent. Exhortée par la présence de votre lampe magique, les jeans de feu qui tournoient autour de son couvre-chef insolite se matérialisent physiquement et dansent une farandole incandescente pour le plus grand ravissement du public. Les yeux exorbités d'une de vous lancer des flèches de haine pour s'écarquiller sur les petits êtres. Les jeans dansent pour lui. C'est un signe des dieux. Galvanisé par son devoir divin d'être celui qui débarrassera le monde de votre présence, il saisit une espèce de boule de tissu et l'allume sur son casque avant de vous la lancer au visage. Non mais ça va pas, non Vous esquivez à son premier projectile par pur réflexe. Apparemment, son nom n'est pas qu'un pseudonyme. Et la stratégie de cet énergumène consiste à lancer des boules de feu à qui l'approche d'un peu trop près. Et vous êtes un peu trop près Par chance, ses premiers projectiles ne vous atteignent pas. La piste est mauvaise et il a du mal à ajuster ses tirs. Ça ne va pas durer et il vous faut une stratégie de riposte. Si vous êtes prudent, invoquez vos propres espions en 217. Si vous êtes guerrier... <laughs> si vous êtes guerrier, rejoignez-le dans son petit jeu avec votre lampe magique en 383. Si vous possédez la gourde scellée, je vais même pas vérifier. Et si vous avez rien de tout ça, mais je suis un guerrier. Hein, 383, ça va, ça, va, ça va chier, 383. 383, on va lui rentrer dans le tas. Combattre le feu par le feu, c'est ça. Combattre le, la boule par la boule. 383, 383. <laughs> Pardon. Le début de la page, euh, 300, euh, le début de la page avec la le 388, c'est euh, trois petits points, vous êtes mort. Je sais pas ce que c'est, mais il euh, y a des choses qu'il faut pas. Ah <laughs> Ah non, c'est un ah <laughs> ah, mais c'est. Un livre écrit par Bob Lennon. <laughs> Apparemment, ce pays n'est pas peuplé que d'êtres indolents à la bedaine remplie et la barbe bien coiffée. Vous croisez le regard exalté d'une improactif et lui renvoyez un sourire narquois en appuyant sur votre lampe magique. <laughs> Instantanément, vos jeans de feu viennent se joindre à la fête et fusionnent avec ses projectiles incandescents pour les faire exploser en plein vol. Des flammes déferlent sur vous deux alors que des étincelles colorées pleuvent dans tous les sens. Bien sûr, vous n'en réchappez pas indemne, mais votre adversaire non plus Fade like, dit Ah, j'ai compris, c'est un livre-jeu comme sur Netflix. C'est un livre dont vous êtes le héros. Qui est un concept qui date d'avant Netflix. Un, en fait, c'est un livre avec des... Euh, des euh, c'est un livre euh, où les, les chapitres sont très très courts et euh, tu... Euh, tu, 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 tu euh, à la fin de, de, des chapitres, tu as un choix, tu as des choix, et ces choix te renvoient vers des chapitres différents. Genre à la fin du chapitre 1, il va te dire d'aller au chapitre 20, et à la fin du chapitre 20, il va te dire si tu veux faire ça, tu vas au chapitre 18, si tu veux faire ça, tu vas au chapitre 50, et ainsi de suite, et du coup, euh, des fois tu peux mourir, des fois, euh, voilà, c'est ce genre de, de truc. et c'est un concept qui est vieux, comme comme peut-être pas comme la littérature, mais qui est vieux, qui est vieux, vieux, quoi. Vous pensiez qu'il allait cesser son attaque face à votre défense anti-aérienne, mais il n'en est rien. Aveugle de rage, oh, un, 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 un selon mon, mon plaisir, aveugle de rage, il redouble au contraire ses attaques désormais suicidaires. Scandalisé par le fait que les esprits vous soutiennent eux aussi, <laughs> on va morfler, ça va être trop bien. Oui, c'est parfait, c'est comme ça que ça devait être. Malgré vous, votre sourire moqueur devient carnassier et vous riez à gorge déployée <laughs> au milieu des dommages collatéraux de la farandole de feu que vous offrez au public. Vous obtenez un point de. Rancune Mais non, je pas plus Oh là 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 On est en train de faire n'importe quoi, c'est parfait bon bon Je vais dormir. Salut Olifripouille, à la prochaine Tu peux regarder le replay sur Linksoft. Vous obtenez un point de rancune de la part des spectateurs qui commencent à prendre feu eux aussi, mais vous n'avez aucun regret Aucun regret Lors du prochain combat, les boules de feu de votre adversaire infligeront 4 points de dommage, mais vous toucheront tous les deux Profitez pleinement de ce combat intense en 282 les boules de feu de votre adversaire afficheront 4 points de dommage, mais vous toucheront tous les deux. D'accord, 282. Ça va chier. Et on retient, je ne prends pas les dégâts sur le dernier tour du combat. Quel que soit mon PV. Ok, waouh Waouh, 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 waouh ça va pas se passer tout seul. La clameur assourdissante des spectateurs couvre presque les hurlements enragés que votre adversaire vous livre. Il ne semble même pas courir pour le classement, mais bien... <laughs> Pardon une mythe, mais bien pour immoler le plus de monde possible. Si jamais vous avez de la crème solaire avec vous. Nope euh, C'est le moment de vous, de vous, de vous en noindre. Son indice de protection particulièrement élevé réduit les brûlures de ces fichus boules de feu. Sur le long terme, le produit est toxique pour votre peau et vous devrez le retirer de votre inventaire. Mais vous n'avez pas vraiment le temps de vous en soucier dans les médias. Affrontez la torche d'ardente. Ce nymphier vous envoie une boule de feu tous les deux tours, infligeant deux points de vie. Donc nous, on est d'accord que c'est quatre points de vie. Euh, de dommages inesquivables. Inesquivables, putain Si vous possédez la crème solaire, ses dégâts de feu sont réduits de moitié. Si vous n'avez pas neutralisé ces flammes, ces attaques physiques passent à travers votre armure. N'oubliez pas d'appliquer les conditions spéciales si vous en avez déclenché au module précédent. Oh, ça va être super chaud <laughs> oui, c'est pas, pas voulu, mais ça va être ça va être très. Tu as atteint 15 points de rancune, tu as plus 2 supplémentaires en habileté. En plus des plus 2 de panas. D'accord, 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 d'accord. Ah, d'accord, j'avais oublié, oublié ça. Ok, j'ai 4 points de rancune, donc j'ai plus 2 en habileté. Ok, ok. Euh, du coup, je vais l'ajouter à mon, à, mon, à mon total, puisque la rancune, je ne vais pas la perdre. Euh, donc j'ai 15 en habileté. Ça, c'est bien. 15. Et le plus 2 ponctuel, effectivement, du Scorpion. Donc je suis à 17. Je suis mais tu perds tes points bonus de critique. Je vais aller regarder la règle. Hop. Hmm. Pendant qu'une. Si vous avez deux ou trois rancunes de plus que votre respect, vous obtenez plus de critiques. Si, si vous avez au moins quatre rancunes de plus que votre respect, vous obtenez plus de habileté. On est sûr de ça On est sûr que je perds mes points. Euh... On est sûr que je perds mes points de, 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 de critique Salut Aria, bonne nuit, à la prochaine D'accord, les Ok, on perd, le, on perd le plus de critiques. Mais on gagne en habileté. Voilà, je suis, voilà, je suis, je suis, je suis inarrêtable, là. là. je suis... Ça va chier, L'habileté, c'est mieux. Oui, 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 la critique, c'est... Enfin, surtout quand t'as deux... Quand as, la critique, c'est facile. Merci, chérie. Euh, surtout quand t'as deux en adresse. Donc il a 11 en habileté. J'ai 17. Mais il n'y a pas de domination. De toute façon, 6 ne suffit pas pour la domination. Euh, donc on est à 6. Ces boules de feu, de toute façon, font toujours 4 points de dégâts. Et je ne peux pas les esquiver. Et il envoie tous les deux tours, d'accord, ok, voilà, c'est ça, c'est l'info qui me manquait parce que là je me dire dit, d'accord, j'ai trois tours pour le tuer, ça va être chaud. Non, non, c'est tous les deux tours. Euh, incluant le premier, ou euh, c'est genre 1, 3, 5, 7, ou c'est 2, 4, 6, 8 Est-ce que le, premier, coup, euh, est -ce que le premier, premier tour, il me met des dégâts ou pas Je demande à la ligne arrive pour être sûr. Moi j'aurais dit oui, mais je demande à la ligne arrive pour être sûr. À la fin du 2, à la fin du 4, d'accord, donc j'ai bien fait de demander. Euh, et pas à la fin du dernier tour de combat, puisque j'ai le rétroviseur. Ok. Et bien c'est parti. Hop là. Donc là, premier tour, on est d'accord qu'il ne me met pas de dégâts. On est à 6. On est à 6. Euh, je vais prendre mon, ma feuille de. Hop là. 6. Ok, caché derrière ma grosse tête. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez rien lire d'ici. Il faudrait que je rapproche un peu cette caméra-là. Mais là j'ai la flemme. Ok. Euh, alors. Allons-y. Euh, oui, oui, les quatre points de ses boules le touchent aussi. Oui, oui. 3. C'est pas terrible. 3. Donc là, lui ne me fait pas de dégâts, puisqu'il est en train de charger ses boules. Ce qui arrive. Et je suis à... Euh, et donc je lui inflige 6. Plus 2, donc 8. Est-ce qu'il a une armure La réponse est non. Donc il bouffe 8 dans sa gueule, euh, incompressible, si j'ai bien suivi. 8. Euh, attends, il bouffe 8. Euh, donc il est à 9. Et moi, je n'ai pas perdu de dégâts, donc je suis toujours à 12. Ok. Plus 4 des deux côtés. Non, 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 je viens de demander, je viens de demander à Lignarif et ça, ça commence à la fin du tour 2. Sauf si je le défonce là. Si là j'arrive à, à le détruire, c'est le dernier tour donc je ne prends pas de dégâts parce que j'ai rétroviseur. 5 5, donc 9, 0. 9 plus 2 chez moi ça fait toujours 11. 9 moins 11, ça fait 0, c'est le dernier tour. Donc, il n'a pas le temps de lancer sa boule qui passe à 12. Et je vais noter moins 2. Euh, moins 1. Euh, oui, moins 2. Donc, c'est fini pour la torche d'Ardente. Il n'a même pas eu le temps de m'envoyer une seule bouboule. Quelle tristesse. Moi qui adore les boules. Pouf. Euh, attendez, je vais juste virer Voice man, Hop là. Ouais. Ah, vous êtes moins nombreux ce soir, mais je pense que c'est normal, plus on avance dans le livre, moins vous serez nombreux, ce qui est tout à fait naturel. Au milieu de l'échauffourée, le turban torche de votre adversaire heurte une décoration de piste et déverse ses braises ardentes sur sa barbe et sa tunique. Les flammes dévorent rapidement le nain qui perd le contrôle de son char avant d'être éjecté tête de la première dans le sable de l'arène. Cette sortie de piste sera sa dernière puisque ses hurlements étouffés sont couverts par les acclamations du public qui chérit le fait d'avoir pu... Euh, assister à la fin de la torche d'ardente de ses propres yeux. Sa légende vient désormais rejoindre les autres dans l'estomac insatiable du Scorpiodrome. Ayant perdu son pilote, son scorpide continue énergiquement de suivre la route mais ne représente pas une menace active. L'animal a l'air heureux de continuer à cliquer sur le sable et labourer la piste en traînant son char renversé derrière lui. L'exaltation de la victoire manque de vous faire rater un virage mais vous décidez de ne pas ignorer ce rappel à l'ordre. Et à votre passage devant la ligne de départ, vous remarquez que l'animateur se saisit de son porte-voix en 466. Et nous sommes à moitié et hurle l'annonceur avec un turban très coloré en forme de cône. Son cri vous perce les tympans malgré le tumulte et l'ambiance euphorique du Colisée. Il faut dire que cet empoiffé a attendu que vous passiez pile à côté de lui. Le moment est venu Lâchez la bête Attendez quoi La bête commence ça la bête Vous demandez-vous alors qu'une cage surgit du sol Pardon, pardon, c'était fort, mais je peux pas baisser le son à chaque fois, désolé. Euh, C'est fini, là, il n'y a plus de, de commentateurs. Vous l'esquivez, mais vous avez eu le temps d'entrepercevoir la créature qui se tenait à l'intérieur. Votre sang gèle dans vos veines. Un volatile enragé de la taille d'un cheval, doté d'un plumage sombre hérissé par la colère et d'un cerveau incapable d'en comprendre la cause. Un long cou surplombé d'une petite tête vicieuse d'où surgissent des sourcils broussailleux qui cachent mal un regard injecté de sang. La cage, déjà particulièrement picorée, s'ouvre dans un grand bruit et la bête est libre. Un émeu ces imbéciles irresponsables ont relâché un émeu sur la piste. Et encore, s'il ne s'agissait que de ça, avoir un piaf surdimensionné dans un rayon de trois lieues en Alchior est déjà une bonne raison d'être inquiet, mais cet émeu-là est spécial. Mortel. Apocalyptique. Il s'agit de Mimine, la monture mythique de votre pépé citrouille. Ça me parle, ça? Aussi enragé et indomptable que son ancien maître, la créature lâche un gloussement aigu avant de tout détruire sur son passage. Picorant cailloux, sable, décor et une partie du mur à la recherche d'une satiété que son cerveau diminué ne connaîtra jamais. Euh, il était dans le premier, celui-là, non Il me parle, Mimine. Savoir comment elle a pu atterrir ici devra attendre. Votre survie d'abord. Vous devez réagir avant que ce monstre emplumé ne détruise tout et ruine vos chances de vous disculper. Si vous avez rencontré Mimine lors de votre précédente aventure, la forteresse du Chambre noir, ou que vous savez quoi faire face à une créature en colère, communiquez avec son esprit limité en 484, je sais quoi faire. Ouais ouais, donc c'est ça, ouais, ça, me, ça, ça me parle. Euh, sinon, utilisez un objet que vous pouvez, qui pourrait vous sauver, un sac de grains, un bouclier à plumes. Ah, oh, j'ai un bouclier à plumes. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas à plumes. Si, j'ai un bouclier à plumes, mais il va pas servir, tant pis. Si vous n'avez rien de tout cela, si, 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 Ok, face à une créature je suis en colère, je sais quoi faire, c'est un des deux trucs que je sais. 484, c'est parti. Si vous seul semblez conscient du danger que représente Mimine, vous savez aussi comment la mater, en la vainquant dans un combat mental, ce qui ne devrait pas être compliqué. Vous attendez de passer à son niveau avant de ralentir légèrement et de plonger votre regard sévère dans le sien. L'enjeu est de ne pas baisser les yeux, sous aucun prétexte. Périlleux quand on sait que vous êtes lancé à pleine allure à bord d'un char tracté par un scorpion géant et poursuivi par des concurrents qui cherchent à vous bourrer de manière sportive. Par chance, ces adversaires deviennent votre salut lorsque l'un d'eux effleure le galinacé et lui fait perdre sa concentration. Victoire Vous savourez l'expression outrée de la créature, mais votre autorité nouvelle ne durera pas. Déjà au tournant suivant, son regard redevient provocateur. Vous tentez le tout pour le tout et attendez qu'elle soit tout près, de lui... tout près pour lui lancer un pshh » du balai votre imitation de pépé citrouille porte ses fruits, puisque le grand poulet baisse rapidement les yeux avant d'aller soulager sa colère sur un autre pan de mur de l'arène. Au rythme où il va, il ne mettra que quelques jours à picorer l'entièreté du scorpion rome, mais d'ici là, vous serez déjà loin. Poursuivez la course en 313. Contre toute attente, vous êtes toujours en tête. Les acclamations du public volage vous parviennent et vous avez le champ libre. Votre joie n'est que de courte durée cependant puisque derrière vous une tempête de sable malaxe la piste. Euh, le Pierrot-Barbare, vous l'aviez presque oublié. Il se débarrasse de son adversaire dans un cyclone de coups de poing colossaux, un capharnaüm invraisemblable où se mélangent des craquements de bois, de tôles qu'on frappe et de nez qu'on brise, car ce sont bien des cris de douleur et d'effroi qui dominent. Le barbare saisit l'une des queues de Scorpidre devant lui pour la plonger dans le crâne de la monture de son adversaire. Cette action décisive provoque le carambolage du char et de son attelage. Un geste inédit dans l'histoire du Scorpiodrome qui déclenche une effervescence dans les gradins. Même vous ne pouvez vous empêcher d'être légèrement intimidé par la stature titanesque du barbare qui surgit du nuage de poussière à bride abattu, un sourire éclatant aux lèvres. Vous tentez de maintenir la distance, mais votre Scorpidre, lancé à pleine vitesse depuis le début de la course, commence à fatiguer. Il n'en faut pas plus à votre camarade pour se porter à votre hauteur et vous un regard complice. Qu'est-ce qu'on se marre, gamin Salut Dracombs, bienvenue sur le chat. Il euh, a pas à dire, ces nains, c'est des sacrés déconneurs. Ils sont même allés chercher la mimine de ton grand-père, t'y crois ça tu rigoles Ils sont complètement fous, oui Qu'est-ce qu'ils faisait là d'abord Bah faut bien qu'elle soit quelque part, non D'ailleurs, en parlant d'endroit, excuse-moi gamin, mais le podium m'attend Rugit-il joyeusement en heurtant son char contre le vôtre. Mais qu'est-ce que tu fous Criez-vous en essayant de conserver votre équilibre. Bah je gagne Tu devrais essayer pour changer Allez, le premier arrivé à l'autre ya yeah L'idée de terminer cette course sans encombre s'évanouit devant la joie, du, de vaincre, du, de la joie de vaincre du barbare. Sa folie a dû vous atteindre légèrement puisqu'un sourire nerveux se dessine sur votre visage. Pas question de faire perdre face à cet à vin ivre de bataille. Il va falloir l'affronter au milieu d'une piste jonchée de pièges, de restes de chars, de crevasses et de l'anarchie laissée par le passage de l'émeu. À cette vitesse, la moindre mauvaise manœuvre peut vous propulser tous les deux dans le décor. Duel de vitesse avec le Pierrot Barbare. Pour vous départager et savoir lequel de vous deux va franchir la ligne d'arrivée le premier, lancez les dés chacun votre tour. Le premier à atteindre 20 à gagner. Si votre scorpion est équipé de roues dentées ou de l'aileron aérodynamique, tous vos jets sont à plus 1. Si vous êtes paysan, les jeans de terre détournent les nids de poules sur les roues du barbare, infligeant moins 1 ACG. Si vous avez le rétroviseur, éblouissez-le avec le reflet du soleil, infligeant moins 1 ACG, les deux malus étant cumulables. Si vous êtes en possession de la chloroglycérine, vous pouvez l'utiliser pour gagner instantanément en 318, bonne chance. Ok, donc il a moins 1 à tous ses jets, et c'est tipar. Alors on va commencer par moi. Le premier qui arrive à 20 a gagné. 1. Lui. 3. 1 à 3. Je, je passe à 3. Il passe à 6. Je vais noter quelque part. Ok. Greg note 3-6. Moi. Putain. 4. 3. Donc 4-9. Euh, Ok, 4, donc j'ai perdu le compte, 8, 0, donc il reste à 9, 8, 9, oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, 8, 9, 3, donc, je passe à 11, ha 4, il passe à 13, merci beaucoup à Electroso pour son prime, oui, 17 17 17 17. Allez, 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 allez. Le jet de la victoire, le jet de la victoire. On y croit. 20. J'ai gagné. 19. J'ai d'autant plus gagné. Ah, c'était beau. C'était beau. C'était grandiose. Il n'y aurait pas eu de malus. Il aurait gagné, mais j'ai le rétroviseur. Je remporte ce dernier tour. 375. Cette course extrêmement serrée, effectivement, se termine lorsqu'une roue du pyrobarbare barbare se brise. Son char ne fait pas long feu, tenant un équilibre sur une seule roue juste avant le dernier virage. Son scorpion refusant de s'arrêter, l'attelage se fracasse contre un pilier du mur, provoquant l'effondrement d'une partie des gradins dans un déluge de bois, de marbre et de spectateurs. À peine avez-vous franchi la ligne d'arrivée que vous vous précipitez sur les lieux de l'accident, sans prêter attention aux acclamations de la foule. Vous balayez la pile de gravats et de blessés des yeux en redoutant le pire, mais, ne, mais le crâne lornien s'élève subitement des décombres, tel un geyser musculeux. Le molosse va visiblement bien, à en juger par le sourire sincère qu'il arbore. <laughs> Bravo, gamin Je suis tellement fier de toi Annonce-t-il en vous saisissant. Pardon, excusez-moi, Messenger, je regarde vite si c'est rap... si Non, c'est bon. C'est juste Jérémy, on s'en fout. En vous hissant sur son épaule droite. Euh, mais. Mais et toi ça va, ton bras Hurlez-vous en examinant son bras gauche immobile et son épaule en sang. C'est rien, Billy. Juste un peu déboîté. Je recadrerai ça plus tard. Profite de la vue Vous levez les yeux vers les tribunes. Ce n'est pas tous les jours qu'on se tient devant une telle ovation. Dans l'effervescence du dernier tour, vous n'arriviez pas à savoir s'il vous acclamait ou s'il vous avait eu, ou vous huait. Mais vous répondez de même. Selon ce que vous avez le plus gagné, un point de respect et un point de rancune. Ou un point de rancune. Un point de rancune. Un point de rancune. J'ai eu peur. En voyant un point de respect, j'ai eu peur. Mais non, je gagne un point de rancune. Il me déteste. Il me déteste. Oui Allez vous faire foutre Si votre opinion du peuple stiant est neutre, saluez le public. Non, non, non. D'un geste désinvolte. Dans tous les cas, les organisateurs arrivent à votre rencontre et vous remettent le trophée du Scorpiodrome. Il s'agit d'une toute petite statuette de Scorpide en or massif, sans queue. A chaque victoire, ajoutez-y une queue, précise l'organisateur, en vous remettant l'appendice manquant. Vous l'accrochez à la statuette et admirez le petit scorpion doré. Ajoutez-le à votre inventaire avec plaisir. Scorpion doré. Scorpion doré. Hop là. Mais sa valeur sentimentale est indéniable. Non, pardon. Euh, il vaut en tout deux points de richesse. Ah, ça c'est chouette Point de richesse, j'adore la richesse, j'adore la thune. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Mais sa valeur sentimentale est indéniable. Vous prenez le temps de récupérer les éventuels objets que vous aviez équipés avant qu'un autre dignitaire s'approche de vous en 367. Euh, on approche d'une fin, euh, fin euh, comment dirais-je, euh, naturelle. Donc, je pense que je vous lis le 367 et, dépendant comment il finit, on s'arrêtera là. Oui, oui, Lignerive, je, je récupère l'intervieweur, Je l'ai pas enlevé, donc. Euh, ouais. <coughs> Félicitations, Billy, fils de quelqu'un, fils du terre, la dendure, ajoute un vieux nain à l'apparence officielle. Vous avez gagné la course du Scorpiodrome sous l'œil ardent de Fumta, le juge divin. Vous gagnez le droit de continuer la course de votre vie. Euh... un puissant coup de gong retentit dans l'enceinte du Colisée et interrompt le vieillard dans un sursaut. L'animateur lève son gigantesque porte-voix. Étranger Il est Reculé. Étranger Il est venu Étranger Il est Étranger Il est venu Accusé, il a vaincu Champion, il est devenu peuple de Stia, serviteur du grand turban. Gravez ce jour dans vos mémoires et n'oubliez pas qu'après-demain, c'est le grand concours de barbe mouillées N'oubliez pas vos mémoires, qui autant se vous gardent Ça change rien au volume, mais c'est drôle, quelle tristesse Ah oui d'accord donc en fait le volume reste trop élevé d'accord ça sature en fait le, la saturation fait partie de l'effet. Ok très bien. Vous débouchez vos oreilles et partagez le regard exaspéré du représentant officiel. Reprend-il. <coughs> vous êtes venu prouver devant le soleil que le sang non vieux vous êtes venu prouver devant le soleil que le sang de votre victime n'était pas sur vos mains lavé par celui du Scorpio de Rome. Au nom, de la loi 8, euh, au nom de la loi 108, je déclare qu'aucun autre crime ne saurait vous être reproché en ces terres, sauf ordre contraire de sa très grande majesté, le sultanat. Cette immunité prendra fin dans 77 heures. Donc je ne peux pas être déclaré coupable pour un autre crime pendant 77 heures. Je croyais que le champion avait l'immunité jusqu'à la prochaine course, demandez-vous. Dans le cadre de la loi 100, oui, mais elle ne concerne que les sujets de son Altesse. Vous restez un étranger et un zahar. Ça fait combien euh, Soixante-dix-sept heures demande le PB en, calculant, en articulant le nombre. Euh, un poil plus de trois jours, répondez-vous. Mais l'important, c'est qu'on est, qu est innocent maintenant. Oh, t'es déjà avant, mais je pige. C'est triste pour le vieux Basque, mais au moins, on va pouvoir être pénal. Il est interrompu par une vive lumière qui explose de votre sac. La lampe magique s'est allumée toute seule. En la sortant, vous appuyez par mégarde sur le gros bouton situé en dessous de la poignée et un rayon étincelant fuse à travers tout le scorpiodrome pour venir percer les gradins et se perdre dans le lointain. Le faisceau fulgurant fait sursauter tous les spectateurs qui tentaient de quitter l'enceinte. Au bout de quelques instants, une clameur d'admiration s'élève du public qui applaudit ce spectacle incompréhensible mais prodigieux. Seuls le dignitaire et quelques nains très âgés observent cette célébration en silence en prenant la mesure du symbole. Éteins ça, gamin. Vous presse le barbare. Je voudrais pas avoir à tourner en rond ici parce que tu aurais crevé l'œil de quelqu'un avec ta loupiote. Vous avez lavé votre nom, défendu fièrement votre vie et honoré la mémoire de votre pépé citrouille. Autant dire que vous êtes rincé. Sortez la tête haute en 583. Je parcours vite fait le 583 pour voir s'il euh, y a une fin plus euh, plus conclusive. Si c'est le cas, je le lis. Si c'est pas le cas, on s'arrête. Ouais, je peux vous lire ça. Vous voilà tiré d'affaire, d'une manière ou d'une autre. Si vous avez fait un pari avec le ministre des taxes soudaines et que vous êtes, et que et que vous êtes soit arrivé en premier au scorpion rome, soit avez été acquitté au tribunal, faites-vous légèrement bousculer par un an en 247. J'ai... Ouais, non, j'ai pas fait de pari avec le ministre des taxes soudaines. Hein. Ou je me rappelle pas. Mais il me semble pas, hein. Non, ok. Donc on va en 243 et on s'arrête là, je pense. Ça, ça m'avait tout l'air d'être un nœud. C'est ça. Ok. On va s'arrêter là. Je vais mettre mon, euh, mon marque-page. Je vais mettre une petite flèche sur le 243. Voilà. Comme ça, on saura où reprendre la semaine prochaine. Pouf Bon, bah c'était sympa On finit un peu avant euh, un peu avant comment euh, de 23h30, mais je vous rappelle que normalement ça va jusqu'à 23h. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai commencé relativement tard. Donc j'avais envie de continuer relativement tard. Bon, euh, Elios dit, en fait, est-ce que tu as choisi ce que tu vas faire pour l'acte 3 Oui, oui, je continue tout et tous les, tous les replays seront sur euh, Linksoft, Voilà. Euh, regarde la, le replay pour avoir la... La signification. Greg dit Tu feras le tome 1 après Non Merci à tous d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous quand Ah, euh, bah ben là, le prochain truc, c'est pas c'est pas bientôt là. Euh, je tourne les coins lectures la semaine prochaine. Donc, euh, dimanche, pas après-demain, mais la semaine prochaine, euh, vous aurez un coin lecture avec normalement trois bouquins. Euh, donc, euh, live au coin du feu le lundi qui suivra ce coin lecture. Et normalement, euh, ce sera un coin lecture. Donc, euh, qui N'est pas écrit qui sera euh, improvisé, puisque on a fait un je vous ai fait remplir un questionnaire et vous avez l'air nombreux à penser que c'était mieux quand c'était euh, impro enfin, pas improvisé, mais quand c'était pas quand il n'y avait pas de texte. Donc euh, on verra si c'est la nostalgie qui parle ou si c'est un avis, euh, un avis qui euh, voilà qui, qui, qui souffre le, 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 la mise à l'épreuve. Euh, donc voilà, euh, d'ici à ce qu'on se revoit, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit. Je regarde si je raide quelqu'un. Euh, bah écoutez, Bob est actuellement en live, donc on va raid Bob et euh, on se quitte sur, euh, sur du, sur, sur du Dovakin. Bonne fin de journée à toutes et à tous, bonne nuit à ceux qui vont se coucher et à la prochaine. Ciao!